Voilà, bonjour à tous. Je vois que nos auditeurs commencent déjà à entrer en ligne. Il y a 20 personnes en l'espace d'une minute. Voilà, je suis très content de votre présence. Je salue tous. Je vous salue tous. Jonathan Cacazette, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Comme prévu aujourd'hui, podcast Bellini, nous sommes en direct à partir de Los Angeles. Il est 11 h ici chez nous. Je crois qu'il est 19 h chez vous là-bas. Je suis très heureux aujourd'hui de vous avoir encore une fois de plus. Chaque semaine, nous nous retrouvons ici chaque samedi à partir de 19 h. Aujourd'hui, on a un invité spécial. Il s'agit bien de Romain Molina. Donc, j'espère que vous serez tous au rendez-vous parce que nous avons des questions à lui poser par rapport à tout ce qui s'est passé au courant de la semaine. Voilà, l'histoire, vous le savez. L'histoire, c'est le lieu de déploiement de la raison universelle. Cela veut dire qu'il existe une direction des événements qui lui donne toujours un sens. Et on ne pourra jamais dissocier ce qui est en train de se passer aujourd'hui en RDC d'avec ce qui s'est passé pendant toutes ces 20 dernières années. Un chaos dans lequel se trouve le football congolais, ce n'est pas le fruit du hasard. Il y a une ligne directrice, une suite d'événements, on pourrait dire, qui est la cause. Et pour ne pas aller par quatre chemins, les coupables, ils sont connus. Ils sont libres, torse bombé, ils n'hésitent pas à se manifester en place publique. Mais bon, qu'à cela ne tienne, aujourd'hui, nous avons Romain Molina. Pourquoi nous avons Romain Molina? Parce qu'il y a une enquête autour de cas de pédophilie en République démocratique du Congo. Et je l'ai invité aujourd'hui pour qu'on en parle et que il puisse un peu clarifier certains points. Et non seulement pour moi, mais pour vous aussi. Et si vous avez des questions, écrivez-moi toujours dans les commentaires et je n'hésiterai pas à les lui poser. Donc, je vais faire entrer Romain. Hein, et puis, voilà. Bonjour Romain, comment ça va? Ben écoute bien, toi. Ça va très bien. Ça fait presque 2 ans depuis la dernière émission qu'on avait fait ensemble. À l'époque, déjà, je crois qu'on était dans un combat contre les inégalités, les injustices et tout ça. Et voilà, on est très heureux aujourd'hui de te revoir encore une fois de plus dans un nouveau dossier, un cas. J'aurais aimé dans d'autres circonstances quand même. Oh, bien sûr, bien sûr. On aurait aimé dans d'autres circonstances, peut-être dans une victoire d'une Coupe du Monde africaine. Ouais, mais bon, Dans la prochaine malheureusement. qualification des Léopards à la Coupe Voilà, du dans Monde. une Coupe d'Afrique des Nations. Voilà, déjà, même pour une Coupe d'Afrique des Nations, on a déjà du mal. Bonjour Romain. Donc voilà, tout d'abord, j'aimerais commencer par te remercier par ce merveilleux travail, hein, ce merveilleux travail, un travail qui pourrait servir de leçon à tous nos journalistes au pays, mais aussi à tous les services d'investigation sur place. Donc tu as fait un travail qui pouvait être fait par quelqu'un d'autre sur place et qui pourrait peut-être être réalisé et puis qui pourrait aussi nous aider à sortir de cette situation dans laquelle nous nous trouvons. Allons de suite, tout de suite au vif du sujet. Ma première question est celle-ci, Romain. Pourquoi avoir choisi ce moment précis pour balancer tes révélations? Pourquoi ne pas avoir attendu plus tard? Pourquoi ne l'avoir pas fait plus tôt? Pourquoi ce moment précis pour balancer ces révélations? C'est pas moi qui ai décidé en fait, parce que bah, ça fait 2 ans et demi que j'ai traité des cas similaires, Je notamment en vais un peu pour le Haïti. son. Je suis un pour le son. Vous entendez bien? Je crois Bon que là? oui. Hein. Je crois que oui. Le son, il est bon? Bon, ça va. Ok. Il est bon. Il est bon. Bon, ça va. Donc comme je te Vas-y, disais, Romain. ça fait 2 ans et demi que moi j'ai travaillé sur des cas similaires dans des fédérations à travers le monde. J'avais commencé en Haïti où le président a été banni à vie pour abus sexuels systémiques sur mineurs. Il y a eu avortement et que ça, c'était sur des filles. Et le vice-président Rosny Grant, qui est aussi patron de la commission d'arbitrage. J'ai fait des cas en Colombie, Mongolie, en France. D'ailleurs, il y a un silence assourdissant des autorités françaises. Le Gabon, qui je pense certains ont entendu parler, parce que bon, il y a eu quand même plusieurs personnes incarcérées suite à ça, notamment Capello, qui était l'ancien coach des moins 17 de la sélection des Panthères. Et en fait, à ce moment-là, c'était il y a un peu plus d'un an. Quelqu'un me dit, un joueur international congolais me dit, mais hey, chez nous c'est pareil. Je dis, comment ça se pareil? Et donc ça commence il y a un an à peu près. Et je fais un space d'ailleurs à l'époque, il y a un an, où je parle de ça.
parce que j'avais déjà des éléments un peu sur la RDC. Je me suis dit, bon, je vais essayer d'attirer des gens à moi pour en avoir davantage. Et ça fait depuis un an que je travaille le sujet. Depuis, c'est passé comme je fais dans pas mal de fédérations. J'ai sorti la France, Costa Rica, enfin plein de choses. Et en fait, il me manque encore des éléments, on va dire, probants pour légalement pouvoir publier. Et j'ai obtenu ces dernières semaines ce qui me manquait. Et donc là, j'ai tout réuni, etc. Et après, voilà, j'ai décidé de publier. Enfin, j'ai décidé. J'avais assez au niveau légal. Donc c'est pour ça qu'en fait, ça a été publié maintenant, quoi. C'est pas pour une autre raison, en fait. OK. Donc, connaissant un peu le milieu sportif congolais et surtout aussi la lenteur dans la juridiction, dans le domaine juridique congolais, il y a déjà des menaces. Hein. Je ne sais pas si tu as entendu, il y a des menaces et il y a aussi d'autres menaces qui pourraient s'en suivre après. Comment comptes-tu procéder à la suite de tes investigations tout en assurant une certaine sécurité aux présumées victimes ou encore aux personnes qui aimeraient bien témoigner? Déjà, moi, je suis pas Zorro, hein. Je n'ai pas changé le monde tout seul. Néanmoins, le premier point qui les panique, c'est que personne ne sait qui m'a parlé. Personne ne sait les victimes qui m'ont parlé. Il n'y a personne qui a aidé à part moi. Ils n'ont aucune idée. Donc là, ils s'en prennent à qui? Ils s'en prennent aux gens qui ont parlé publiquement. Eric Comme Taïwanga, Kimoto. Papi Kimoto, Youssouf Mouloumbou. C'est les trois cibles aujourd'hui parce qu'ils disent, eux, ont parlé publiquement. Et il faut les remercier et leur dire qu'ils ont du courage parce que j'aimerais qu'en France ou dans d'autres pays, il y ait ce genre de courage d'anciens joueurs internationaux qui expliquent ce genre de problème. Donc il faut leur tirer un coup de chapeau, premièrement. Mais les victimes, si tu veux, c'est très bien aussi qu'ils aient parlé, que moi, si je prends la parole là, c'est que je préfère prendre la pression sur moi ou un mec comme Youssouf ou Erita qui sont très forts. Comme ça fait que toutes les victimes, il n'y a aucune pression parce que personne ne se soucie d'elles, personne ne sait à qui j'ai parlé. Donc ça, c'est le premier point. Le but, c'est que ces gens-là se puissent, soit les familles, les victimes, se sentir en sécurité de me parler en confiance. Moi, à aucun moment, je vais trahir ça. Ça fait 2 ans et demi, je donnais tout dans ma vie. Il n'y a jamais eu de problème à ce niveau-là. Et le deuxième point à ce niveau, tu parlais de la lenteur des juridictions. Je sais ce que c'est aussi en France ou ailleurs, hein. Là, il y a quand même un problème pour l'État congolais. Je sais qu'il y a d'autres problèmes évidemment terribles à l'est du pays, vu ce que fait le Rwanda. Et je te dis, moi, je ne suis pas congolais, hein. Mais ce que vit la RDC à travers l'agression systématique de puissances étrangères, je trouve ça honteux. Pour ça, c'était une parenthèse mise à part. Donc, je sais que le pays, il y a d'autres choses. Néanmoins, tu as un dossier qui est aujourd'hui un scandale international, qui est en train de faire parler dans le monde entier et qui va continuer ces prochains jours. Donc, je pense que l'État, à un moment donné, va être obligé de faire quelque chose, à moins que le président de la République et son gouvernement montrent à son propre pays qu'ils ne sont pas capables de protéger ses enfants. C'est inenvisageable, je pense, surtout à un an des élections. Donc, à partir de là, j'attends de voir ce que va dire le procureur général du pays. Normalement, il y a des enquêtes qui devraient être démarrées. Et si derrière, on peut aider en sous-marin, écoute-moi, c'est un grand plaisir. Ça peut aider à protéger les jeunes joueurs. Écoute, ça soit qu'ils soient congolais, laotien ou français, pour moi, c'est pareil. Donc, je serai là. Et je sais qu'il y a des organisations internationales, comme le Syndicat mondial des joueurs, la FIFPro, qui est intervenu dans plusieurs pays, qui prend aussi le dossier. Donc, ça peut mettre en confiance les gens parce qu'il y a deux points sur lesquels jouer. Tu as la justice civile congolaise, parce que ces gens-là doivent être mineurs de nuire, mais également la justice sportive, qui peut bannir ces gens-là du football à vie, ce qui serait le tout début. Justement, oui, justement. Et j'allais te poser cette question aussi. Pour démanteler ces réseaux, hein, comme ça s'est passé au Gabon, comme ça s'est passé dans le pays, tu as pu rassembler des preuves à travers des recherches, bien sûr. Tu as pu rassembler certains témoignages. As-tu la conviction que ces témoignages sont assez suffisants pour que la justice se prononce en faveur des présumées victimes? Sur certains cas, ouais, sûr. Sur certains cas, Giro, oui. et sur Giro Gélimolo, sûr. Ouais. Et puis, je vais te dire un truc. J'ai aussi, et on en a parlé, toi et moi, enfin, aujourd'hui. Il y a des, on va pas tout révéler, mais il y a des Non, non. éléments aussi, des coachs qui envoient des dirigeants, qui se sont permis d'envoyer des notes vocales. J'en ai d'autres, mais terribles, j'ai pas tout publié, qui sont très claires. C'est du chantage sexuel sur enfant. Quand tu dis à l'enfant, donne-moi tes fesses, sinon tu ne joueras jamais, c'est comme ça.
plus tu l'écris, il y a des messages. Donc c'est aussi un autre élément qui est important pour les autorités congolaises, c'est que quand ça se base sur que ça soit, c'est directement, comme tu dis, le bourreau, on va l'appeler ça comme ça, qui impose aux jeunes ces conditions-là, je ne vois pas comment la justice ne peut pas se saisir déjà de ça. Et le deuxième point, c'est qu'en effet, il y a plusieurs familles et victimes qui sont très solides dans ce qu'ils ont. Donc, sur certains cas, je te confirme, je vais prendre un cas tout simple. Le cas de Mohindo, qui est dans la commune de Lemba, qui est quelqu'un de connu en coach de jeunes, hein, qui est HGM, là, si je ne dis pas de bêtises. Lui, par exemple, ce qu'il y a aujourd'hui, oui, ça suffirait. Mohindo, Giro Gilimolo s'est quand même fait virer d'où il était parce qu'il s'est fait choper en plein acte au stade du 22 mai et au stade Tata Raphaël. Donc comment ce monsieur est en liberté déjà? Et il exerce, pas le seul. Il exerce en toute quiétude. Il est à l'Étoile du Kivu, qui est parti là en deuxième division. J'avais noté son nom, moi j'ai perdu son nom, qui est à Renaissance aussi avant, qui est le même problème. Niesi, quelque chose comme ça? Ouais, attends, je vais prendre, je crois que je connais aussi le nom ici. Bah lui, pareil, il s'est fait choper en plein acte. Bon, donc si tu veux, il y a déjà des éléments très solides de base. C'est pour ça qu'on espère que le procureur de la République diligentera les enquêtes avec les autorités congolaises. Je ne vois pas pourquoi si au Gabon, les autorités ont fait Tifo Miezi. Je ne vois pas pourquoi RDC, elles ne peuvent pas le faire si au Gabon, ils l'ont fait. Donc, bon, si je te pose ces questions, c'est en connaissance de cause parce que la RDC et le Gabon, le Gabon, c'est 2 millions d'habitants, la RDC, c'est presque 100 millions, les mentalités sont aussi différentes, même si les croyances peuvent être un peu communes, mais les mentalités sont vraiment différentes. Mais je parle au niveau des autorités. Ouais, si les autorités gabonaises ont décrété, boum, parce que quand n'importe quel pays au monde, quand l'autorité, elle veut, elle peut. Ouais. Mais si je te pose cette question aussi, c'est par rapport aux réactions qui ont précédé la publication de tes recherches. On a entendu, on a lu, on a vu les réactions de certains entraîneurs, de certains dirigeants. La Fédération congolaise, par exemple, de football, et les entraîneurs qui auraient été cités, et le ministère aussi, ils disent ne pas avoir eu connaissance de ces faits. Ils ont nié en bloc. Qu'as-tu à dire par rapport à leur réaction? Et deuxièmement, est-ce que tu as confiance en la commission mise en place par la Fédération congolaise de football pour rassembler les témoignages des présumées victimes? Est-ce que toi, tu as confiance en la FECOFA? Pourquoi ce soit? Moi, je... si, non, mais attends, qui en RDC ou qui suit le football congolais a ne serait-ce que 1% de confiance en la FECOFA? Les joueurs, ils n'ont pas confiance. Il suffit de voir ce qui est passé avec le 23 la semaine passée et l'avion quand même. Et tout le reste depuis tant d'années, depuis 20 ans, tu l'as dit en introduction. Ce qu'on voit là, c'est aussi la conséquence de la déliquescence d'un football qui malheureusement a été gangréné par des instances terribles qui se sont servies du football congolais au lieu de le servir. Ouais. Donc, et je rappelle que la première réaction du secrétaire général, M. Belge, ça a été de créer la déstabilisation. Et quelques heures plus tard, ils annoncent une commission d'enquête. Bon, j'ai confiance dans les autorités. Je veux dire, encore une fois, je pense que si le travail est fait sérieusement, ils verront. Maintenant, dire qu'ils ne sont pas au courant alors que des coachs ont été chopés en plein acte dans les toilettes de certains stades, c'est se moquer de la gueule du monde et c'est cracher encore une fois à la tête des victimes. Il y a des gens impliqués à la FECOFA. Donc maintenant, on va voir. Mais je pense rapidement, je veux dire, si tu n'as rien à te reprocher, pourquoi menacer des gens? Ouais, c'est ça. Donc déjà, en faisant ça, ils montrent leur culpabilité. Et en fait, tu sais quoi? Ils ont la même réaction que la Fédération gabonaise. La même. Donc je pense que tôt ou tard, la FIFA va faire aussi son enquête à ce niveau-là. Et comme je te dis, c'est sur deux niveaux. Il y aura évidemment ce que feront les autorités congolaises au niveau judiciaire, et puis il y aura évidemment ce que va faire la FIFA. La FECOFA aujourd'hui, quelle crédibilité peut-elle avoir quand elle va réembaucher un Bertin Bakou? Je n'ai pas d'autre chose à dire. Je pense que les anciens du Racing Club de Kinshasa me comprendront, ou quand il était dans la commune de Lemba, quand il était jeune, ou même certains de Loupopo comprendront ce que je dis. Je vais donner un exemple tout bête, que je peux te prouver factuellement. La FECOFA a eu en main des captures d'écran de Makou qui demande de l'argent aux joueurs
de leur voler les primes. Et ils le reprennent malgré ça. Comment tu vas avoir confiance en cette fédération? C'est par exemple pour ça aussi qu'il y a un autre problème, un problème différent, qui est celui de la corruption des coachs qui récupèrent l'argent des joueurs, qui les volent. Sinon, ils ne jouent pas. Qu'ils ont ça en main. Je peux te l'envoyer, hein, je l'ai. Et tu laisses le mec, tu le reprends, ça veut dire qu'il y a quand même un gros problème. Donc la FECOFA n'est absolument pas digne de confiance. Par contre, on va voir ce que vont faire les autorités. Si elles prennent ça au sérieux, je pense que beaucoup de têtes vont tomber. Et on inclut la FECOFA dedans. Suite à cette question, j'aimerais bien savoir, aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, as-tu eu aussi des témoignages par rapport à des joueurs de l'équipe A ou A', que ce soit de la RDC, des pratiques pareilles dans des pays différents? C'est-à-dire, tu m'as dit ailleurs, des mecs ailleurs, ou est-ce que tu as pu avoir des témoignages de certains joueurs de l'équipe A ou de A' de la RDC ou d'un autre pays? Oui. Plusieurs. Ouais. Plusieurs. Waouh. Et là, tu vois, si tu veux, je n'en dirai pas plus. Parce que nom, mais je ne te dirai ni si c'est présent, ni si c'est passé. Mm-hmm. C'est entre eux et moi. Mm-hmm. Mais oui. Je vais même te dire une autre chose sur la RDC dont je n'ai pas parlé. Mm-hmm. On n'a pas parlé des filles de la sélection. Moi, je te le dis là, pour toi, mm-hmm. il y a eu des abus sur les filles en sélection en RDC. Ouais. Mais c'est un autre dossier. Donc, on n'en a pas encore parlé. Mais on en parlera un jour. Je suis en train de récolter depuis plus d'un an le dossier aussi des féminines. Donc c'est pour ça que la FECOFA, je le répète et je le dis ici haut et fort, en aucun cas ne peut faire quelque chose. Et j'espère que les autorités congolaises et la FIFA et le syndicat mondial des joueurs et toutes les autres personnes feront la lumière sur tout ce qui s'est passé au sein de cette fédération, que ce soit pour les hommes et pour les femmes. Et je dirais même pour les garçons et pour les filles, pour parler plus justement. Par rapport aux dirigeants de la Fédération congolaise de football, la question que je t'ai posée par rapport au fait qu'ils ont nié en bloc de ne pas avoir eu connaissance de ces histoires, qu'en penses-tu? Pourquoi tu penses que... Hein, tu vois Papi Kimoto, ancien international, qui aime le pays, qui est revenu au pays après sa carrière en Europe, qui entraîne les jeunes à la FECOFA. C'est un membre de la FECOFA, Papi. Tu le vois mentir? Et sachant que, je vais te le redire, ça m'a été confirmé par les témoins sur place, et plusieurs. C'était confirmé. Et là, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'ils savent très bien. Ils se sont fait prendre la main dans le pot de confiture, comme on dit. Et là, maintenant, ils disent non, parce que faut pas oublier un truc, c'est la panique. Tu as dû le ressentir et tu peux le confirmer aux gens. Depuis que l'affaire est sortie, il y a beaucoup de gens qui ont peur. La peur, elle a changé de camp déjà, quand même, un petit peu, hein, si tu regardes bien. Voilà les réactions de certains, on sent qu'ils sont gênés. Mais oui, après l'étape, mais aujourd'hui, après tout ce qui se dit, toutes les langues qui se délient, tu crois que les instances internationales, c'est ma question prochaine, c'est-à-dire que après cette étape de dénonciation, quelles sont les démarches à entreprendre auprès des instances international concernant ce scandale, et que devrions-nous attendre de la part de la FIFA, par exemple, de la CAF, ainsi que des instances comme l'Organisation de défense des droits de l'homme? Déjà, je pense qu'il faut attendre au niveau local, tu vois. Je pense au bout d'un moment que la RDC, alors je sais qu'il y a beaucoup de problèmes, mais au bout d'un moment, enfin, je veux dire, c'est la protection des enfants. Le pays doit faire quelque chose à ce niveau-là. Donc, le premier niveau, et je vais te donner un exemple concret qui s'est passé. Alors, tu me permets 5 secondes que j'aille retrouver le message et la personne. Pas de souci, vas-y, je suis là pour toi. Je suis là pour toi. Je suis là pour toi. Alors, on t'attend. Il s'est passé, il y a... Attends, je te demande juste une petite seconde. Hein. Tac, tac, tac. Voilà, c'est là. Voilà. Au cercle sportif de Bandal, à Kinshasa, d'accord? Oui. Tu as un président de club qui aujourd'hui dort à la prison centrale de Makala, parce qu'il a commis l'acte et les parents ont porté plainte pour l'enfant. Et là, aujourd'hui, il dort à la prison centrale. Ce qui nous montre une chose, c'est que quand il y a des plaintes portées, sérieuses, la justice travaille aussi. Même si je sais que ce n'est pas parfait, mais avant d'attendre des choses sur l'international,
des fois, il y a eu beaucoup de dérives qui ont été faites en RDC par les organisations internationales qui sont supposément censées aider. Je pense qu'il faut aussi se prendre en main et voir au niveau local, premièrement. Deuxième point, ce qu'il faut faire, moi, je récolte le plus de témoignages et derrière, je peux connecter notamment avec le syndicat mondial des joueurs, la FIFPro, qui, eux, font un excellent boulot à travers le monde entier pour les joueurs. Donc ça, que les gens viennent me contacter en privé depuis mon site internet, tape mon nom, Romain Molina, il y a un truc sécurisé ou sur mes réseaux. Et derrière, moi, je fais le lien. Et ensuite, la FIFPro voit avec la FIFA. Je pense que la FIFA, au début, va dire « Ok, on va voir ce que fait la Fédé congolaise. » Quand ils vont voir que la Fédé menace et tout, ils risquent de leur retirer l'enquête. Eux, ils vont la faire. Ils commenceront à suspendre des gens. C'est des processus assez lents vis-à-vis de la FIFA. Par contre, le syndicat mondial des joueurs, la FIFPro, fait vraiment un super boulot. Ils l'ont fait dans le monde entier, même en Afghanistan, dans des pays pas faciles. Donc, moi, il n'y a pas de problème. Les gens peuvent me contacter et ensuite, je me débrouille de faire tout cela. Mais encore une fois, il faut davantage parler encore de ce sujet-là parce que c'est dur pour les gens. Je comprends, moi, honnêtement, il y a plein de jeunes, j'ai fait ça dans le monde entier, c'est dur d'en parler. Mais il faut qu'ils pensent à une chose, c'est qu'en faisant ça, ils vont sauver la nouvelle génération. Ils vont sauver leurs petits frères. Je pense que tous ceux qui n'ont pas pu faire carrière à cause de ça, ils n'ont pas envie que ça arrive à leurs petits frères. Et même si c'est dur et qu'il y a la honte, ce n'est pas eux qui doivent avoir honte. Eux, ils ne peuvent rien. Eux, c'est des survivants de quelque chose. Ceux qui doivent avoir honte, c'est ceux qui exploitent les enfants. Et la peur, elle doit changer de camp. Donc si nous, on peut aider. Mais je te dis, la FIFA, ça va prendre du temps. Mais ça va travailler aussi à ce niveau-là. Mais au niveau local, je suis désolé aujourd'hui. La semaine prochaine, le procureur général de la République doit lancer des enquêtes. C'est complètement inadmissible si ce n'est pas le cas. Et je vais tout faire, tout ce qui est en mon pouvoir, pour alpaguer ces instances déjà locales, nationales, pour qu'il y ait quelque chose. Et ensuite, je pense qu'ils ne vont pas mettre très longtemps, honnêtement, entre toi et moi. S'ils commencent à faire vraiment des enquêtes sérieuses, on est d'accord qu'il y a plusieurs coachs, ils vont rapidement y avoir droit. Toi et moi, on le sait. Ouais. Si c'est fait sérieusement... Ça va monter, quoi. Si c'est fait sérieusement, on est d'accord qu'il y a 2-3 coachs. Oh, il a... Excuse-moi, on a essayé de m'appeler. J'ai dit où il y a des éléments très tangibles. Donc, j'ai confiance. Et voilà, moi, n'hésite pas à me contacter. Et ensuite, je connecterai vis-à-vis de certaines instances internationales si je peux aider avec grand plaisir. Ok, encore 2 ou 3 petites questions. Toi qui as pu parler avec ces gamins, dans quel état dans Attends, quel je ne t'ai pas entendu là. Tu m'entends, Mélan? Merde. Ah, tu m'entends? Ah, tu m'entends? Tu m'entends, Mélan? Oh putain, attends. Non, mais moi je t'entends. Hein. Je crois que c'est ton micro. Il va revenir. Bon, il va revenir. Je crois qu'il a un petit souci. Ça veut dire que quand tu es en direct et qu'on t'appelle, il faut revenir et puis refaire et puis revenir dans le live. Il va revenir d'ici peu. Donc voilà, vous avez entendu ce que Romain est en train d'expliquer. Donc, à part là, il compte sur la justice congolaise. Voilà, il compte sur la justice congolaise, non seulement sur la justice congolaise, mais aussi sur les instances internationales. Oui, ouais, tu vois, quand tu reçois un appel, c'est-à-dire qu'il coupe ton micro. Et même si ouais, ça reste comme ça. Je voulais te poser la question. Toi qui as pu parler avec ces gamins, dans quel état psychologique était-il? Et quel était le témoignage le plus émouvant que tu as pu avoir, même si tu n'as pas besoin d'aller en détail? T'inquiète pas. Il y en a, ils sont détruits. Ouais. Il y en a qui sont détruits mentalement, parce que ça laisse des traces et des séquelles. Et de s'en souvenir, c'est dur aussi parfois. Mais j'en ai vu qu'il y avait de l'espoir que ça change. Ouais. Même si c'est dur, je sais qu'il y en a qui le font parce qu'ils se disent « Aujourd'hui, on est des hommes et on ne veut pas que ça laisse à nos petits frères. » Donc, je vois du courage, de la dignité, de l'honneur. Et après, niveau émouvant, j'ai entendu tellement de choses. J'ai géré tellement de cas. Le premier truc que j'ai fait, c'est Haïti. Et j'ai eu des trucs en Haïti depuis, je suis un peu blindé. Mais j'ai eu le témoignage d'un jeune au Congo qui a vraiment connu ça de plusieurs fois, qui venait d'une famille très pauvre en fait, et c'était sa seule manière d'essayer de faire vivre ses parents, dont sa mère était gravement malade. Ça m'a vraiment touché parce qu'en fait le coach savait ça, et le coach a profité de la maladie de sa maman. Et je me suis dit, faut être un monstre pour faire ça. Faut être un monstre. Donc ouais. Tu as sillonné. Il m'a demandé de tout faire pour que son bourreau un jour aille en prison, tu vois.
Ouais. là où il mérite d'être pour plus qu'il. Il m'a dit, c'est pas pour moi, c'est pour pas qu'il abîme mes petits frères. Et j'ai dit, il y a vraiment des gens courageux et on doit se battre pour eux. Toi qui as pu sillonner à travers tes investigations presque le monde entier, hein. Tu es en Haïti, tu es en France, tu es au Ah, Gabon, tu es Mongolie partout, aussi. en Mongolie aussi. Cette question elle est très importante parce que j'aimerais un peu comprendre, parce que c'est devenu un phénomène mondial aujourd'hui, universel. Quelles sont, est-ce qu'il y a des similarités, des Oui. particularités dans la procédure? Est-ce qu'il y a des trucs qu'on Ah. peut se dire, OK, c'est un truc mondial? Et c'est un truc qui va vers un point commun. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Si, si. Donc, Bah, déjà, c'est pas que propre en RDC, tu vois, comme tu l'as dit. ouais. J'ai fait des cas à la Barbade, France, Mongolie, Colombie, enfin de partout, quoi. Bon, il y a un point commun, c'est que déjà, tu as beaucoup de gens attirés par des mineurs et adolescents dans le monde du sport. Parce que tu as, tu sais, on parle souvent de l'école ou des églises, ce que tu veux, mais on oublie le sport. Parce qu'en plus, au sport, tu as un leverage, tu as un moyen de pression. C'est toi qui décides qui joue. Et souvent, ces enfants-là, c'est toute leur vie. C'est toute leur passion, C'est une on se carrière rappelle. qu'ils mettent en jeu, en fait. Et des fois, voilà. Et c'est l'amour aussi, parce qu'il y en a beaucoup qui ont l'amour en plus de ça, qui donnerait tout pour réussir. Donc, ils profitent de ça. Souvent, tu vois que les prédateurs choisissent leur cible, soit sur des gens un peu faibles psychologiquement, soit qui ont des situations compliquées, que ce soit en termes familial, en termes de repères ou en termes financiers. Et en fait, quand tu vas dans certains pays où malheureusement tu as une certaine précarité, comme en RDC ou au Gabon ou en Haïti, ça va surtout se focaliser sur ces gens-là. Parce qu'ils savent très bien que l'argument financier, à un moment donné, va jouer et que s'ils ne jouent pas, ils ne peuvent pas faire carrière et donc ça impacte la famille. Ensuite, en RDC, je vois des similitudes avec le Gabon sur une chose, c'est sur certaines. En fait, on rajoute un champ lexical mystique pour inculquer aux jeunes très jeunes. Au Gabon, par exemple, ils ont théorisé la présence d'esprit. Ils te disaient, mon petit, tu es très bon, mais il te manque la présence d'esprit. Sous-entendu, je dois te prendre les fesses. Sinon, tu n'as pas la présence d'esprit. Le mec qui faisait ça, qui a théorisé ça surtout, Capello, comme on l'appelait, Patrick Assumoyi, qui était coach des U17 des Panthères, sa maison, il l'avait surnommée le Jardin d'Éden. Tu vois, il y avait un côté. Il gardait la. T'imagines qu'il gardait la licence de tous les gamins. Il avait deux paniers. Ceux qui l'avaient drep, comme on dit en gabonais, ceux qui l'avaient, voilà, et les autres. Et quand tu allais dans l'autre, ça veut dire qu'il t'avait voilà, il t'avait donné la présence d'esprit. Et il disait à ceux qui ne leur avaient pas donné la présence d'esprit, il disait, vous êtes des hommes de peu de foi. Donc, et j'ai retrouvé ça en RDC parce qu'il y en a qui disent, je dois te donner la lumière, l'énergie. Donc, on rajoute ce champ lexical-là. Et en fait, il y a une spécificité par contre très congolaise, c'est qu'on te fait comprendre qu'en Europe, les mecs font ça. Alors que ce n'est pas vrai. Mais on te dit, tu vois, ces joueurs-là, ils sont passés par là. Donc, y a, en fait, je dirais qu'il y a de l'endoctrinement jeune. Et bon, là, je vois, je ne sais pas si c'est propre à l'Afrique centrale, je ne pourrais pas te dire. Mais en tout cas, si je compare au Gabon, tu as ce côté que certains rajoutent un côté mystique. Après, ça, c'est quand même minoritaire. Globalement, c'est avant tout pour jouer, c'est du chantage sportif, quoi. Et ça, c'est dans le monde entier. Tu prends en France, il y a des cas comme ça. Dans l'arbitrage, tu as un mec qui s'appelait Monsieur Galetti, qui était membre de la fédération, président de la Ligue des arbitres de Paris. Il disait aux jeunes, voilà, si tu veux une bonne note pour tes évaluations, etc., bah, Mais ça comme n'a je disais, rien à c'est voir souvent en avec forme le de mystique, chantage. en forme de Je chantage. peux te faire avoir une carrière, je peux t'aider, etc., mais il y a des conditions. Et c'est vrai qu'en RDC au Gabon, on rajoute certains, je trouve, un côté mystique. Ce qui est étonnant, par contre, c'est que c'est surtout sur les hommes. Alors que dans d'autres pays, c'est plus sur les femmes. À travers cette enquête, Romain, tu as entendu des noms, des grandes personnes? Après, ce sera toujours moins qu'au Gabon, parce qu'au Gabon, on a quand même sorti le nom d'Hervé Patrick Opianga, qui est l'une des têtes du régime, qui est le patron du club de Mounana, l'ancien team manager des Panthères. Donc, ce sera toujours des noms moins grands qu'au Gabon, ce qui est très politisé. C'est pour ça que j'ai l'espoir au Congo, parce que je me dis, l'État gabonais a quand même fait quelque chose. Il y a eu des enquêtes qui ont été faites. Il y a aujourd'hui 6 personnes qui sont incarcérées à la prison centrale de Libreville pour cela, dans le taekwondo, le foot et le tennis. Alors qu'il y a des noms très politisés. Donc ils prennent le risque de faire ça, mais c'est normal aussi, ils doivent protéger leur population. Mais ils ont bougé. Je me dis au Congo, j'ai pas entendu de nom politique en tout cas. Mais il y a des noms importants du foot congolais. Mais même, je vais te dire, un Guy Roger Limolo ou un Bertin Bakou,
c'est des gens quand même dans le milieu de la Lina Foot qui sont connus. Ça fait 15-20 ans qu'ils durent. Un mec comme Oyindo, c'est un coach de jeunes très réputé à Kinshasa, à Lemba. Alors, il y a des noms importants, il y a d'autres noms importants, oui. Oui, oui, je te confirme. Et des clubs importants. C'est-à-dire, oui, c'est-à-dire que ce chantage, parce qu'en RDC, on a eu l'habitude de voir les mêmes personnes revenir toujours au même poste. Et donc, cela veut dire que c'est un. On va pas conclure, mais on peut assumer qu'il s'agit d'un cercle bien connu et qui se partage le gâteau entre eux. Il y a un réseau parce que les gens se connaissent quand même. Tu vois, je prends l'exemple. En France, je vais donner un exemple. Je vais comparer avec la France. En France, tu as beaucoup de femmes sur filles. Mais en fait, il y avait un système. Ça remontait d'une entraîneuse qui s'appelait Madame Loisel, toujours à la Fédération. Ensuite, elle a eu Madame Roujas et d'autres, en fait. Et c'est ce système-là, si tu veux, qui se protégeait les unes les autres. Mmh. C'est comme si on les avait appris. Mmh. En RDC, suite à l'enquête, j'étais contacté par des anciens qui m'ont expliqué la genèse dans les années 90. Et là, je suis en train de remonter sur ça pour comprendre, en fait, d'où ça vient et comment ensuite c'est transmis. Parce qu'un mec comme Mojindo aujourd'hui, il n'est pas très vieux. Hein. Un mec comme Jonathan Bouka, qu'on appelle Messi, qui est aussi à la prison centrale, c'est un ancien joueur, il a à peine 30 ans. Donc ça veut dire qu'il y a une passation, il y a eu comme une transmission à certains. C'est deux générations. Un mec comme Guy Rogier, ça fait 20 ans qu'il est dans le milieu. Mais il y en a qui ont repris de ça et qui reproduisent les actes. Donc en effet, c'est connu, mais après ça dépend. Parce que le Congo est tellement grand que déjà, ne serait-ce qu'à Kinshasa, je ne suis pas persuadé que certains dans une commune, ils connaissent les autres d'une autre commune. Par contre, à l'intérieur même d'une commune comme la commune de Lemba ou la commune de Matete, tu en as plusieurs qui se connaissent. Attends un instant, je lis ici, on me dit qu'il n'y a pas de son. Est-ce qu'il n'y a pas de son, c'est vrai? Il n'y a pas de son? Non, il y a son. Moi, oui, je t'entends bien. Moi aussi, je t'entends bien. Ouais, donc... Joël Bungoudi, regarde un peu sur toi, sur ton appareil. Les autres, pouvez-vous réagir? Parce qu'il y a quelqu'un qui dit qu'il n'y a pas de son. Non, mais il y a pas, il y a le son. Je crois que c'est son problème à lui, moi. Heureusement, quoi. Non, s'il y a le son. On dit qu'il y a le son. OK. Vas-y, Romain, vas-y. Donc, ça remonte. Donc, voilà, je te dis, est-ce que tous ces gens se connaissent? Je n'irai pas jusqu'à là, mais il y a une certaine protection de ces actes, parce que ça implique pas mal de personnes. Uh-huh. Et ça implique des fois un mec que tu connais ou autre. En tout cas, ce qui est certain, c'est que comment un mec comme Guy Roger Limolo peut retrouver des clubs après s'être fait virer pour avoir été pris en plein débat? C'est-à-dire, si moi je suis au courant en Europe, je pense quand même que dans le football congolais, les présidents de clubs sont au courant. Donc ça te montre que la pratique, elle est connue, elle ne choque et, pas certains. Et ils sont protégés? Tu as l'impression qu'ils sont protégés? Ah bah à l'intérieur du football, oui. Ah oui. Ouais, ouais. Ah oui. Tu vois ce qui est pénible? Moi, j'ai eu des... Je vais te donner un exemple, le prénom de l'Étoile du Kivu, qui est un club de Ligue 2, je ne dis pas de bêtises. Il a viré son coach pour ça. Mais pourquoi il ne le dit pas? Pourquoi il ne le dénonce pas aux autorités? Et ce mec a retrouvé un poste en Ligue 2. Moi, je le contacte. Il ne dément pas, mais il n'y va pas. Alors, je peux comprendre, il y a peut-être une peur. C'est pour ça que c'est à l'État congolais aussi de rassurer ces gens-là en disant que le travail va être fait pour protéger les enfants. Je veux dire, aujourd'hui, l'État congolais a tout à gagner en s'inscrivant contre la pédocriminalité dans le football. Et ma question est aussi, si ça se passe dans le football, est-ce que ça ne se passe pas dans d'autres sports? Je prends l'exemple de la France encore. On a eu les cas du patinage artistique, du roller, du karaté. Il y a eu beaucoup de fédérations touchées. Au Gabon, j'ai fait tennis, taekwondo aussi. Là, je vais sortir quelque chose dans le paralympique camerounais. Là, c'est un dossier abominable que je sors la semaine prochaine. Paralympique? Paralympique. Wow. Le président de la Fédération des sportifs déficients physiques qui donne un droit de cuissage sur les athlètes femmes paralympiques. Mais tu imagines le degré de monstre qu'on a là? Donc, ça se passe dans plusieurs fédérations probablement. Donc, ça peut se passer au basket congolais ou ailleurs. Donc, voilà, on sera là aussi. Et au ministère des Sports, là aussi, tu es impliqué, au ministère de la Justice. Parce qu'en effet, il y a une protection de certains clubs. Et ceux qui ont protégé doivent être sanctionnés également. Aujourd'hui, là, quel ça est va ton être un niveau long travail, mon ami. Aujourd'hui, si tu devais avoir... Ouais, je sais que c'est difficile d'estimer, mais tu as pu déjà être en contact avec certains dirigeants de la RDC, du côté juridique, oui? Oui.
OK. Oui. Mais moi, je suis ouvert si je peux aider. Regarde, j'ai aidé plusieurs juridictions à travers le monde. Moi, si tu veux, moi, je ne vais pas me mettre en avant, jamais, je reste dans l'ombre. Mais si je peux aider et permettre que certains prédateurs soient mis hors d'état de nuire et que les jeunes sportifs puissent simplement jouer au foot, mais moi, je suis très content et tout le monde a tout gagné. J'ai Tu parlé vois? avec voilà, je ne vais pas citer le nom, mais il m'a dit ceci, il m'a dit que Belge appelle et il dit, vous dites ces choses parce que vous voyez les élections venir, c'est un moyen pour vous de mettre hors de nuire, hors d'état de nuire vos adversaires. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que ce monsieur, il a aucune honte, que c'est un nouveau crachat aux victimes de penser. Je vais te dire, je sais même pas quand sont les prochaines élections de la FECOFA. Et je trouve ça honteux de dire ça. Ouais, c'est bon. Aujourd'hui, on parle de pédocriminalité, on parle de vies qui ont été détruites. Et lui, la seule chose qu'il dit, le secrétaire général, c'est parler de déstabilisation de. Mais non, mais il se fout de la gueule de qui? Si quelqu'un déstabilise le football congolais depuis 20 ans, c'est la FECOFA. En étant complètement déréglé, c'est une honte et un scandale. Ce monsieur-là, je ne sais même pas pourquoi il reste en poste. Très Sachant bien, qu'il a été Romain. averti, lui, hein, moi je te le dis. Hein. Très bien, Romain. Romain, aujourd'hui, quel est ton niveau du Lingala? J'ai un. Écoute, j'ai la chance. Autant je T'as connais dû certaines entendre beaucoup de expressions. mots, mais Voilà. les Autant fesses, je par connais le exemple. proverbe avec l'article 15. Je Ouais. connais. Non, mais c'est un peu ça aussi le foot congolais. Exact. C'est la FECOFA, c'est l'article 15 hein, pour les joueurs. Démerdez-vous, quoi. Alors, mon Lingala, il n'est pas Okay. bon, mon Swahili non plus. Par contre, Ouais. j'ai mes gars qui sont en France, Ouais. qui sont congolais, et notamment deux personnes qui m'aident voilà, dès que j'ai besoin, etc. pour le Ouais, qui te Lingala. font la Des fois, je leur dis, traduction en fait. écris-moi ça en Lingala, et après, c'est moi Ouais. qui envoie ça à à des Ouais. mecs à Kin ou à Goma, tu vois. Ils ont presque Ouais. l'impression que je dois le parler, alors que bon, je ne comprends pas, mais j'ai notamment un ami à moi qui est très Ouais. important, qui Ouais. m'aide, si tu veux. J'ai des gens comme ça. Donc, Écoute Romain, moi je te remercie beaucoup pour cette petite interview, Salut. mais si j'ai fait cette interview, c'est parce que je voulais en fait que tu puisses passer un message Je te à tous remercie. ces gamins, moi je l'ai fait dans ma page, hein. Et on a déjà fait des petites collaborations, tu as déjà vu. Si tu peux passer un message rassurant à toutes ces personnes qui ont souffert de toutes ces choses, on ne va pas les appeler des victimes parce qu'on n'a pas encore des preuves, Des mais les survivants, présumés victimes, ouais, c'est des c'est les survivors, comme victimes. j'en anglais. Donc, pour qu'ils puissent ne pas avoir peur et de te contacter. Et s'ils n'arrivent pas à te contacter, parce que toi, tu as un système un peu, les mails et tout ça, ils ne savent pas, ils Non, mais peuvent s'ils peuvent toujours m'aider sur m'appeler. Facebook, qu'ils m'envoient un message privé sur Facebook, tu Ouais, vois. voilà, ils t'envoient un Et message. qu'ils m'envoient ces messages privés sur Facebook, sur Ouais. Instagram, tu vois, tranquille. Ouais, Et Twitter et après, tout écoute, ça. tu peux même me contacter en Lingala, Ouais. même en Swahili, parce que j'ai pas de On problème, va parce que faire la j'ai mon ami traduction. qui est en France, exactement. Donc, Ouais. ils aient pas peur de me contacter en Lingala. Ce sera plus simple pour eux. Qu'il n'ait Et pas tu le peur, en sais, fait. on va pas faire de confession, mais tu le sais, parce que tu m'as entendu, on en a parlé tout à l'heure, toi et moi. Ouais. Je ne vais jamais pousser un jeune à me raconter un truc qui le met, on va dire, pas bien. Jamais. C'est-à-dire qu'il me raconte, s'il veut me raconter d'abord son histoire, il le fait. S'il veut d'abord qu'on parle d'autre chose, on le fait. Je prends le temps. Parce Ouais. qu'il ne faut pas presser. Déjà, psychologiquement, c'est dur. Hein. C'est Tu sais, dur. des fois, il y a des gens bizarres, Romain, tu es courageux, mais ce n'est pas moi qui suis courageux. Celui qui est courageux, c'est celui qui est là aujourd'hui, qui se lève et qui raconte son histoire parce que c'est dur ce qu'il a vécu. Donc déjà, aucune pression. Deuxièmement, il y a la question de la sécurité en disant est-ce que je vais. Il n'y a aucun nom qui sort. Et s'il me dit Romain, ça reste entre toi et moi, ça reste entre lui et moi. Ça, c'est le plus important. C'est la confidentialité. Troisième point, c'est que moi, je vais aller au bout. Tu vois, j'ai eu la chance, ça fait 2 ans et demi, j'étais au bout dans beaucoup de dossiers en Côte d'Ivoire aussi, un coach sur les filles, les gamines, en France, en Haïti. Il y a eu des choses concrètes dans le basket malien aussi. Le but, c'est de faire de la même chose vis-à-vis du foot en RDC. On commence le dossier, on va accompagner pour aller jusqu'au bout. Parce que moi, ça m'anime et je pense que c'est la seule chose à faire moralement. Ils peuvent me contacter, je te dis, en Lingala. Ils m'envoient un message privé. Et comment Ensuite, tu je me fais pour débrouille. comment tu t'y prends avec les témoignages parce que chacun peut venir avec une version fausse et tout ça. Exact. Comment tu fais pour Moi, filtrer un j'écoute peu? tout le monde. Quels sont les critères? Écoute, j'écoute tout le monde. Ensuite, je mets tout dans une base de données, avec un ami et tout. Et ensuite, je vois si c'est vrai ou pas. Parce qu'il y a aussi des gens
notamment au Gabon, ça m'est arrivé, on a essayé de me donner des faux témoignages pour que je me trompe et me décrédibiliser. On a fait pareil en Haïti. Faire très attention. Bon, maintenant, j'ai un peu d'expérience à ce niveau-là. Donc, je vois très bien. Je vais te donner un exemple concret. Je ne publierai jamais si je n'ai qu'une seule personne où il y a des choses, des fois, je vais donner un exemple des pièges. Est-ce que c'est des affaires très dures quand tu as été violé quand tu es enfant, on est d'accord. Quand quelqu'un, une fois je me rappelle au Gabon, quelqu'un me dit « Ah machin, ça m'est arrivé et tout ». Le mec m'appelle, me raconte son histoire tout de suite, avec des trucs horribles, sans émotion. Mais je savais que ce n'était pas vrai. Tu ne peux pas raconter ça tout de suite comme ça en 2 minutes, c'est impossible. C'est impossible. C'est quelque D'ailleurs, chose de toi difficile. Et moi, on en a eu la preuve tout à l'heure, rappelle-toi. Ouais, ouais. Ouais. Tu sais très bien, ça prend du temps. Moi, au début, je ne vais même pas demander aux jeunes sa situation. On va parler des autres, de ci, de là, on va y aller petit à petit. Donc ensuite, je fais tout le travail à ce niveau-là d'enquête, de fouille, de vérification. Mais comme je te dis, ils peuvent me contacter en privé, Facebook, Instagram, ils m'envoient un message privé, Lingala, Soyez Français, ce qu'ils veulent. Ensuite, on parle tranquillement et on fait ça, confidentialité. Et voilà. Et moi, je te dis, j'ai beaucoup d'espoir ouais. parce que j'ai vu beaucoup de courage. À part les noms que tu avais déjà, après la publication de tes recherches, il y en a d'autres qui se sont rajoutés ? Ouais. Ok. Ouais. Je vais lancer un petit mot d'ailleurs. Mais je sais qu'il n'y a pas qu'à Kinshasa. Il y a ailleurs dans le pays. Donc, n'hésitez pas, même si c'est des gens d'autres provinces, à venir, même d'autres sports. Moi, je ne fais que le sport parce que je ne veux pas tout faire dans la vie. Donc, je préfère faire un truc, mais le faire bien. Donc, ils n'hésitent pas à me contacter, basket, handball, ce qu'ils veulent. Mais je te dis, j'ai espoir parce que je vois du courage. Je vois énormément de courage. Ça me fait penser au Gabon. Hein. Et en Haïti, des gens super courageux qui aujourd'hui se lèvent pour dire non. Donc, c'est pour ça que j'ai vraiment espoir qu'on aille au bout sur beaucoup de dossiers. Je vais te dire quelque chose. Si certains bourreaux terminent en prison, je sais qu'on ne rendra pas à ces jeunes ce qu'ils ont perdu. Mais je pense que moralement, je l'ai vu au Gabon notamment, il y en a beaucoup qui revivent parce qu'il y a comme un poids qu'ils ont porté toutes ces années qui va s'enlever. Et ils vont se dire que grâce à eux, leurs petits frères ont été mis en sécurité. Et ça n'a pas de prix. Et c'est pour ça que j'ai espoir, parce que je vois beaucoup de courage au Congo. Beaucoup de courage. Une dernière question, Romain, avant de terminer. Quand j'ai suivi l'audio, il y avait trois différents types de chantage. Il y avait le chantage sur le chantage de sacrifice humain, c'est-à-dire avec le sang. Il y avait le chantage des fesses. Et puis aussi, il y avait l'argent. Oui. OK. Toi, tu te bases beaucoup plus sur les abus sexuels. Mais quel est ton avis par rapport au chantage des sacrifices humains? Est-ce que tu as une petite connaissance de ça? Parce que moi, je peux t'apporter la mienne. Mais toi, tu as déjà connu ça? Tu as vu ça pendant... T'as entendu des témoignages aussi de ça? Pas au Gabon. Hein. Ouais, pour la Coupe d'Afrique des Nations 2012 et Coupe d'Afrique des Nations U23, des gens de la FEGAFOOT ont demandé sacrifice humain. Ouais. Wow. Je vais te donner un exemple, je ne donnerai pas l'année. Un joueur gabonais, pas le meilleur. Il va jouer toute la compétition. Le lendemain de la compétition, sa mère, elle meurt dans des circonstances non élucidées. Et lors de cette compétition-là, le staff avait demandé des sacrifices humains à plusieurs joueurs. Ceux qui avaient refusé n'ont pas joué de la compétition. Donc moi, plusieurs m'ont dit qu'ils ne savent pas que je leur parle à plusieurs. La même génération m'ont dit, il y en a un, sa mère, elle est morte. Donc, et il me dit, ce mec-là n'avait jamais joué titulaire. Si je te pose cette question, c'est pour te demander ceci. Tu connais Mort? Oui. Pas personnellement, mais je sais qui c'est. Mais tu as entendu parler de lui? Tout le monde a entendu parler de lui dans le Congolais. Il y en a beaucoup qui vont chez lui. Mais des gens très connus, d'ailleurs. Des gens très connus. Après, si tu veux, j'estime qu'il faut beaucoup de connaissances pour ça, parce que moi, je ne les ai pas sur ce niveau-là. Certains types de croyances, certains trucs et tout. Mais c'est ça que j'ai dit. C'est pas un fantasme. Dans mon introduction, je t'avais dit, j'avais dit ceci, que voilà, il y a une succession d'événements qui nous amène aujourd'hui à cette situation. Parce que si, moi je te le dis, la Fédération congolaise de football est celle qui a encouragé ces pratiques dans le football congolais. Parce que dans la sélection nationale A, moi je te donne le témoignage d'Afobe. Tu connais Benik Afobe? L'ancien attaquant?
qui joue en L'ancien Angleterre, attaquant, etc. il a reçu la visite d'un émissaire de ce moment qui devait conditionner sa présence en équipe nationale si il accepte de rouler avec lui, en fait, de toucher à ses pratiques fétichistes. Il a refusé et jusqu'aujourd'hui, ce garçon n'est plus revenu en sélection nationale. Tu vois la Alors, c'est liste pas le talent de la premier, hein. sélection nationale, elle est faite en fonction de ces messieurs-là. C'est Il y a lui des qui choix qui dicte un sont faits peu en la fonction de ce loi. monsieur, oui, tout à fait, C'est c'est lui qui véridique. dicte de la loi. Le troisième point, c'est quoi? C'est, moyennant de l'argent, une compensation, des jeunes qui ne peuvent pas jouer. Pourquoi? Parce que lui, apparemment, quand il reçoit les 5 000 de la prime, il ne les Redonne partage ça. pas. Donc, on ne le prend pas. Donc, tu vois, quand tu Exact. vois tous ces problèmes autour de la sélection, ça m'a poussé à lancer une pétition. Je t'en avais pas parlé, mais je compte sur toi de mettre cette pétition aussi sur ton lien. Ça pourrait aussi Avec nous aider plaisir. aussi. Donc, que les gens puissent signer cette pétition, parce que nous, le but, c'est dissoudre cette fédération. Elle a, cette fédération a tué le football congolais. Elle Trop, a c'est trop. mis toutes les générations futures dans un panier et dans lequel on ne va pas s'en sortir aujourd'hui. Ils sont incompétents. Le football moderne aujourd'hui, c'est du football business. Eux ne le font pas. Donc, pour conclure, je voulais dire merci beaucoup, Romain, pour le travail que tu as fait. Je me remercie. Écoute, nous, on n'a rien à te donner. Mais je veux rien. on n'a rien à te donner, mais ce que toi, tu nous apprends, ce que tu nous apportes aujourd'hui, ça vient un peu renforcer tout ce que nous savions auparavant. Et ça peut contribuer à ce que les gens puissent changer un peu la mentalité. L'investissement qui est fait au niveau du pays, il est fait de manière erronée. On n'investit pas sur l'homme et l'homme reste dans un état, je dirais, comme si on était encore au Moyen-Âge. La réflexion, le raisonnement, il est trop bas. Et ça, ils en profitent pour détruire ces jeunes dans ces académies qu'ils sont en train de créer. Franchement, Avec de merci. Tu as l'endoctrinement. encore un dernier message, tu as encore un dernier mot à dire? Je te dis beaucoup d'espoir et comme tu l'as dit, c'est un système. Ça fait 20 ans au moins que la FECOFA et ces gens-là ont détruit progressivement le foot congolais. J'espère juste une chose, c'est que les léopards appartiendront bientôt au peuple et que les gens qui seront à la tête de ce football-là seront au service du foot congolais et ne s'en serviront pas, comme il se passe ici. Mais j'ai foi, donc n'hésitez pas à me contacter, c'est le moment. On Et garde d'ordre et d'affaires, contact, tout à Romain. fait. Merci, Romain, À et toi. toutes les personnes qui sont en ligne, combien 120 personnes qui sont en ligne te disent aussi merci. Moi, je continue l'émission et puis on se parle après. On fait comme Merci, ça, Romain. merci beaucoup. Allez, au Ciao à revoir. tous. Au revoir. Alors, ceux qui veulent appeler peuvent m'appeler. Connaissent mon numéro. Odi Molina, attends, il m'avait donné 30 minutes, j'ai poussé jusqu'à 45 minutes. Comprenez. Donc voilà. Donc voilà. Je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi dire. Il a presque tout dit. Il a tout dit. Binomo Bomoni, donc on est dans une situation difficile et je ne sais pas comment on pourra s'en sortir. La situation, elle est grave. Ceux qui veulent appeler peuvent appeler parce que je n'ai pas non plus le monopole. Vous appelez 2 minutes et vous laissez aussi les autres intervenir. Le téléphone est là. Vous pouvez m'appeler. J'attends vos appels. Voilà. Je crois que vous avez tout entendu. Le football congolais est en train de traverser une situation difficile. Très difficile. Parce que on est dirigé par des inconscients, des personnes qui n'ont aucun état d'âme. Ça fait presque 30 ans qu'il n'existe aucune politique sportive dans ce pays, aucune stratégie mise en valeur. On ne cesse de le dire, hein? Aucun projet pour mettre en valeur, pour redorer l'image sportive du pays. Voilà, il y a quelqu'un qui appelle. Voilà, je vais mettre ici. Salut, Ndeko, Boni. Christian Ikaoko rappelé. Tu as fait ça malobana moutounion sur 2 minutes, 2 minutes. Ndekolanga, vas-y. Voilà, mais c'est déplorable. En fait,
ça sert à rien l'État congolais du Sahara Million avec tout ce qui est dénoncé là. Donc, en tout cas, je ne sais pas, moi, la Moni, à Port, il y a des sabres, conférence de presse, là, j'avais beaucoup aimé le fait que Azam manager et puis aligné vraiment apaisé l'équipe nationale, mais bon, pour travailler, Moutoua, bien s'il va travailler avec des gens qui sont mafieux, là, ça ne sert à rien. Bon, ça ne sert absolument à rien. Donc, lui, surtout là, Bantou, en fait. On est des Bantou, pratiquement soucieux. Il y a pédophilie, on a, c'est contre nature, contre Bissot. Mon mmh. Monaco, nous sommes tous en équipe nationale, tout gagné 2-0 à 15 minutes un match pour tout gagner ici, pour le match Bissot début. Donc c'est normal parce que ma coco, Bissot ma coco, toi, il est l'été. Tout ça va pas tout dans ma blou, à bon mot, tout ça la réinvente. Donc ça sert à rien, l'État dépensera 20 millions, ce qui en a battu. En tout cas, moi, je vais préférer même que l'équipe Irvan dans la tapanade à ta 50 qui n'aura ni Coupe d'Afrique ni quoi. Sinon, tu vas retourner dans l'orbite pétition, il faut que signer, il faut que tout le monde, dans la porte d'entrée, tu n'as sommet, tu fais confiance à mon football. Il y a des jeunes, dans la diaspora, des jeunes même dans la Kinshasa, des gens intelligents, c'est vraiment des bras. Parce qu'il n'y a pas de monde à la tension avant d'aller au pas. Je vais vraiment besoin de la besoin contre nature à beaucoup qu'on a pu en tout cas, merci Mingi pour l'intervention. Voilà. Je vais vous donner un pasteur Mukuna Azate. Le quoi n'a pas qu'il y a Solana Martin Molina et n'a Romain. Donc, na tchaki moi mouke liboso, mais c'est qu'on a zo bengaye, mais a zo répondre te. Parce que na yoga na gina yé na un rouan. Voilà. Salut, Christian. Salut, Jean. Oui, salut. Pourquoi intervenir na onde? Pardon? Oko ki na yoko intervenir na zo yoka yo. Il faut longolande caméra parce que te eko déranger le système na nga a. Ok. Loba na yonde ko. Loba mo makasi, hein. Ya bande l'appel, bande l'appel. Pour se noter son et noyau, vous allez limiter. Bande l'appel. Donc voilà. Ok. Salut Ndeko. Tozo yo kayo. Salut Ouais, tozo yo kayo. Normalement, j'allais intervenir à la partie de la faut l'on côté moi, ma kele les a. Ma kele les a. Yabana, hein. Ouais. Siko, c'est bon. Ok. D'ailleurs, je suis venu par rapport à toutes ces parties là où se passe la partie de la fédération. Par rapport à ceci, à la Moula, déjà, il faut tenir compte d'en haut. Yeah. Donc, là, il y a un passage de faire plusieurs dossiers. Dossier à la fédération. Fédération de Monawana. Le monsieur qui. Tout là, c'était vraiment mon aïe. Le monsieur là, le secrétaire belge. Il y a belge. Si total. Le type, il est. C'est un bourreau, ce type. Il y a au moins 15 dossiers qui sont à la FIFA. Qui doivent être réglés. Normalement, comme ma petite, pour Anilia, comment on appelle ça? Frais de formation, blondeuse, voilà. Monsieur, il bloque tous les dossiers. Si le dossier ne passe pas par lui, il bloque tous les dossiers. Doyé Foualia. Il bloque tous les dossiers, comment? Il y a tous les dossiers, il faut que vous le dire, mais il faut les appareiller. Il y a des voitures, la salle à dire, il dépense. Alors, Momo, après ça, le ré, après ça, l'amour, dans ma club. Oh,
monsieur, tous les dossiers où elle est vue et lesquels la justice ne fait pas. Il faut mettre le bas, c'est pas avocat, il faut mettre le bas à la police. Et le monsieur, il les oblige que si ça ne passe pas par lui, il ne donne rien. Je peux te donner un exemple. Moi, je m'ai aidé à jouer un dossier. Le monsieur, là où vous voyez, le monsieur a fait un jour qu'il a récupéré le dossier. Le monsieur a fait au moins 5 mois sur, dans son tiroir. Il a déjà signé, il a coupé. Mais il a gardé le truc, il a déjà signé, il a mis la date, tout. Mais le monsieur a gardé ça pendant 5 mois avant de libérer le dossier. Et récemment, le monsieur aussi n'est pas là, il a fait un peu de temps pour qu'on aille rencontrer la police, mais bon. A mis ce dossier-là en un jour. Allez, je vous ai mis ce dossier-là. Le dossier a été signé depuis 5 mois. Et les gens partaient à la fédération. Chaque jour, pour prendre le dossier, le même dossier, ils ne voulaient pas. À la fin de compte, les gars qui gèrent la fédération Internet, il a dit que non, sur le dossier, donc initialement, les gars ont été mis sur ça. Vraiment. En tout cas, merci Christian, merci pour l'intervention Nayo. Naya Mabatous. Ya, azo sala musala. Kalate boyo ka dossier ya ba fille ko bima. Naya mbinde ko msusu na ligne, hein. OK. Oui, allô, Ndeko, on a eu qui on va intervenir. Allô? Bonjour, expert. Bonjour, Kevin. Oui, c'est Kevin Bonion. Hein? Ok. Oui, la ligne a participé un peu à la débat où il y a des lots par rapport à la polémique de Régnier Micolo. Oui. Et moi, je suis à la Kitambo. Yeah. La cause de la Kitambo, na quand il texte, après tout, il est en Babylone. Bah, tu vas y dire. Ancien coach Monko, on a évité tout à Koufa, toi qui es dans la prison, tant que tu es jeune, dans l'année 2002-2003. Coach, on a un joueur avant au signé la 3e division ou la 2e division. Tu es là comme on est. Comme on est, Zali. Comme on est. Coupé sans avoir au bon auto sur la nanini en coulisses. C'est une situation qui date depuis. Sauf que, à l'époque, par exemple, les pros, on avait une autre image dans la tête, donc la réalité était différente. Très bien, Kevin. Dans la fin des années 2005-2006, en 2010, l'équipe nationale à Congo, Fléau et Yaka et Abajouer à Mazembe, à Vita et à Chan, Bazaran a souci à Léopard, on a Léopard qui est Véliboso. Or que c'était le début à Fléau, en an. Le journaliste est reconnu à Congo. Bataminé Nebele à Congo. Baïba qui déjà CEO, Baïba qui déjà Fléau, en an. Baïba qui déjà circuit, en an. Et Bajouer et Bélé, accepté à Makambo pour que Léo, comme on va pro, comme on va terminer.
ça commençait. Mais basuka na ba Maroc, basuka na ba Soudan de nini. Basuka na ba Maroc, bah c'est retrouvé quand tu na ba France, bah peut-être bah balle, bah une saison avec Ghana bah bon. Bah c'est retrouvé avec équipement, bah Zanga même, bah Komo, bah championnat ou tout ça là, la TVT. Voilà donc mes équipes on a mené. Waouh. Bah bilan quoi na nyonso. Ça commençait depuis. Voilà pourquoi vous remarquez que tout se pose à souvent ma question. Ces gens-là gagnent quoi en cherchant à ce que l'équipe nationale est à la composée en majorité de locaux. C'est pour que raison n'a pas et persisté si qu'à okay. Longtemps. Et y a un monde à entraîner ou à la bazon à la bango à la bango à entraîner mon collègue à dans la Tanzanie récemment. Ma bignanier a été attaqué à John à Léopard. Ma bignanier un roi mais à l'ingazon à l'issus. C'est un roi. Ma place à Kaye, on a comme entraîneur adjoint. Tactiquement, zéro. Techniquement, zéro. Vision à Bali, en Angote, on lui place là. Beaucoup pensaient comme si pas Zarane de Kosovo, il y a président de la fédération, ex-président. Or, qu'il a eu le Kouta. D'ailleurs, ma cela va raison. C'est un système qu'on place des gens, ma tout faut baser à la Wana du Colo pour que le système ait persisté. Il y a un bateau basé dans Nzambe, Baou Melarate, place où on a Babinga na Bango. Le garçon, c'est un chrétien à prière en aïe, à boire en aïe, à boire en aïe. Il y a un bloc en aïe. L'image du Congolais, tu as un cas là. Tu as une image à baser sans un tour, c'est pas ta calagéra. 10%, cette image-là qui t'est tôt, qui va 15 ans en eux. En tout cas. L'avènement, il y a un coach congolais, ou va tanguer la peau, tu vas y aller pour moi, n'est même plus le coin d'aïe. En tout cas, merci Kevin. Nayamba ndeko morazo insiste vraiment. En tout cas, bandeko nyoso obazana ba témoignage bobanga te. Bobanga la bino lokote, au contraire que tu copies yango nga na ofungola bino. Au contraire que tu copies yango nga na ofungola bino. Bobanga lokote, bobenga nga obe bo contacter Molina. Dossier zo za la préparer. Merci Kevin, merci. Oui allô. Allô? Allô? Tozo yo kayon deko? Ouais, Joshua, bonsoir. Bonsoir. Chikos. Ah, bonsoir, Chikos. Tozo yo kayo. Vous avez un témoignage, Tozo oui. Pesa moutou na moutou deux minutes. Yeah. Oui, bien sûr, bah, un témoignage, parce que, bambo ou tolo bama pa moutou, ou tolo ba isa en vérité. Le Congolais, ils ont un problème, ma casse. Moi, j'ai été victime de ça. Dans la Zara à Kinshasa, je jouais à Kitambo et j'ai été sélectionné pour jouer Mazembe, à l'époque où il y avait des Mouamba Moussassa, des Bagueta, voilà. Ouais. J'ai été parmi ces gens-là. Et l'entraîneur à l'époque, c'était Moukeba. Je me souviens très bien Moukeba. Et puis, quand moi je suis arrivé, Moukeba était en Afrique du Sud. Je pense qu'il était avec l'équipe nationale. Maintenant, on a commis sur place. J'ai été confronté, déjà quand il y a la pédophilie au caractère, mais moi j'ai été confronté à l'injustice, parce que l'entraîneur me demandait pourcentage naïe et zawa qui pour la bêta. Donc sur pourcentage, et puis la bêta dit, mais j'avais un contrat de 2 ans avec Mazembe, et ce contrat-là a été rompu comme ça à l'époque, on avait réagi, je pouvais aussi porter plainte, parce que moi ils m'ont acheté tout ça, pas déplacé naïe. Mais je pouvais porter plainte, mais on n'avait pas de conseiller, on va conseiller du sort. Ça, c'est encore rien. Moi j'ai été aussi pressé parmi. Quand j'ai joué à Yos Kitambo, à Kitambo, on était 3 joueurs qui étaient présélectionnés pour l'équipe nationale. C'est-à-dire, les Bassalar Bali, sa présélection, on a mis notamment une cinquantaine. Après, on a choisi, parmi la cinquantaine, on a choisi une vingtaine. J'ai reçu la visite, il y a un des disciples, il y a Obabina Ramor Marouana. Aya Penananda, où il est venu me chercher. Moi, quoi, il y en a eu de ça, parce qu'il y a eu un disciple, il y a eu un baron. Aya. Il faut que tu ne pas aussi. J'ai catégorique devant lui, je lui ai dit, on signe rien du tout, moi je vais jouer comme ça. Mais je ne vous dis pas ce qui est arrivé derrière, parce que stade dans nos mondes, il y a une sorcellerie qui est en train. Moi j'ai été dans le match à mon amical, j'ai été blessé comme ça, blessure, mon corps est en train de se. Parce que là, c'était juste après avant d'aller aussi à Mazembe.
dans ce témoignage, j'ai entendu ça parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de victimes. Notre football est envoûté. Il y a quelqu'un qui a pris en otage notre football dans la sorcellerie, c'est Mawa. Il a commis donc. Parce que Toko Matin a niveau et a sodomisé Ban, alors c'est grave. C'est grave. Il est en complicité avec le sélectionneur et pardon, avec la fédération de la Bissau Congo. Mais oui, parce que Bangom Touba Salah a cop pour jouer au Ibaza Pana Ibabeta. C'est ça, c'est ça. En complicité avec la fédération de la Bissau. Donc il faut vraiment faire un effort. Il y a comme Mekago Ibsa Bana la Bissau. Pour moi, il y a comme Tiko, la sodomie, qui sodomise par la base. Pour passer par Batalini sexuel qu'on a devant des garçons. Mm-hmm. C'est pas bien ça. Il faut conscientiser tous ces jeunes-là, tous ces enfants-là, Obazo Bimalelo. Yeah. Le football, Dieu qui donne la force, c'est Dieu qui donne tout. Ce qu'on a la macasse, ce qu'on a la main la balle, Tikanzambi, Akamba. Ce n'est pas la peine d'aller chercher parce que l'objet, on est dans la Kabonga. Moi je connais les joueurs au Tibet à la Bamba, non, les Kabandaguana. Sont talibans, les Lobamako, les Pola, Bandot et Beba, parce qu'ils sont passés par ces maisons-là. Sont talibans, les Lobos. Je le vois, c'est triste de voir ça comme ça. Donc voilà, c'était juste ça pour. En tout cas, merci beaucoup pour la contribution, Nayo. Namegana, nous sommes bien à Pasteur Mukuna, parce qu'il n'y a pas Zaki prévu à intervenir, les Lobos. Mais Nayebi, ça qui a Zélaman Mouké, parce que Zaki prévu, tant qu'on a Solina Molina. La linga qui n'a pas point un peu les points sur les i. Alors, on a vu ce qu'il y a Zélana, nous, moi, Moukie. On a vu que ce sera disponible. Là, mais quand on a bien gagné comme ça, tout est bandé, nous, tout est continué. Un instant. Ok, au revoir, Chikos. Merci pour l'intervention. Là, mais quand on a bien gagné, Pasteur Mukuna. En tout cas, Aïb, c'est un gars qui est disponible, mais na héros n'a pas ça qui est ouana. Ce qu'on a évité, ce qu'on a bien gagné, c'est quoi, yo. À Rosala disponible. En tout cas, j'espère à Royamba. Bonsoir à Yambite. Peut-être que Malassima ou bien peut-être. Oh, yé, le pasteur à Yambi. Allô? Bon, peut-être à Zao Kipé. Peut-être à Rappelinga. Bon, Ekati. Ekati. Bon, peut-être qu'à Tosala, peut-être la semaine prochaine. Ils ont des fautes, Nanga. Il y a des fautes dans la gamme, on a poussé qui est tout intervenir. Ok, ok, Kevin, tout reçu là. Ton problème est à te rappeler, nous avons besoin de ma soleil. Benoît Fleur, on a rappelé pour nous rater à peine. En attendant, Pasteur Mukuna a intervenu. Voilà. Donc, bonjour, la réalité, la vérité, et Zubima, Bana, et Bele, Babing. Oui, allô? Oui, bonsoir. Le bon, moi, ma casse, Sindeko, Tozo, yo, Kayo. En fait, la ligne qui m'a participé par rapport à la CIGA, Lelo. Oui, oui, Tozo, yo, Kayo. Parce que moi, un joueur, dans la carrière, une fois avancé, il se met devant un problème pour Amoni qui est bon, en gros, l'économie, pour qu'il m'a avancé. Mm-hmm. Le vrai problème. Oui, allô? Tous les cailloux, yo le banan, tous les cailloux. Kolanda, 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 audio tes os, les canapans, yo, Kangango. Monsieur, tous les cailloux. Moi, j'ai reçu plusieurs parents quand j'étais encore au pays qui sont venus me voir pour me parler sur un choc spontané. Beaucoup des entraîneurs, fédération des en même
tous ces gens vont tout le temps secrétaire et tout système moral pour la route. Ils ont vraiment, ils ont pas si mais je remercie Romain Lingaye parce que souvent tout le monde est surtout. Nalingina tu n'as avis na yo Benoît Flore Singo. Nalingina tu n'as avis na yo. Osana espoir que justice congolaise et ressale à quelque chose. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas que justice et ressale à quelque chose. Pourquoi? Parce que ce tous une homme de tout le monde est mort. Combien de gens au bazar la carte justice au bagage au monde est bazar est belé. Tu penses que Nima va nous insulter normalement à Bakam? Je ne crois pas. Je ne pense pas que ça les gens. Bon, ça, les lots, parce que moi, à part de joueurs, excusez-moi, heureusement, parenthèse, on a lié de politiciens ou des justices ou des avocats ou qui n'a rappelé pas. Oui, parce que cette pratique, en fait, Nakatio Malobate, pratique où il y a sodomisation, ce n'est pas seulement dans le domaine du football, mais on le retrouve aujourd'hui dans la vie normale. Nayo Kape Basoumama, selon la Kenan. La RDC avance de ma poste moral écolo, il faut que ça paye au PSI Bilo, au PSI Bilo. Oui, ma banque, Zali, ma banque, Zali, on a des amis qui le font. Moi, je suis pharmacien, tout le temps, je suis en train de me faire un douleur lombaire. Moi, c'est moi, médecin, à checker, non, c'est mon frère, mais apparemment, tu fais autre chose, tu nous dis autre chose. Il commence à plaire, il vous dit que là où je travaille, on m'impose ça, ça, ça. Ça existe, c'est pas quelque chose qui est comme. Donc, c'est quelque chose qui existe, mais jusque-là, dans le football, c'était impossible d'imaginer qu'un gars qui est en train de courir, à son muscle, à ébique, mon congolais est important pour le football. Mais azo que nous repère sa sima soit disant que sera pèse simande a obima a ozala lokola Chancel Mbemba ou lokola Messi Ronaldo, ça c'est de la foutaise. Parce que la carrière de football s'arrête à 30 ans, 32 ans, 33 ans. Et après qu'est-ce que tu vas faire? Je vous dis si on doit analyser, je donne juste un exemple, si on doit analyser le sang de joueurs congolais, on verra beaucoup de traces. Il y a un bloc et Bélé dans ma kila. Je vous dis, les joueurs congolais, ce sont parmi les joueurs où le Bamila a mis l'orama Kassi et Bélé pour Bélé Tabala. Parce que ma témoignage, on a un yoki, il y a un joueur, même il y a un joueur, il y a équipe A, ça craint. Il y a des joueurs de l'équipe A. Bazan, ma kamboyo. Nga na zo le nga go tumana ba professionnel te me ba joueur mususu ya équipe A ba beta ba za le suki na ba mboka nini na tu ba beta na ba Congo ba bimara na ba musicien ba bimara na ba ta ba ya ba mais c'est du n'importe quoi. Ba témoignage nga na zui mais c'est grave. Mais si vous comprenez, parce que moi, quand je dis les choses ici, j'adore le Congo. Parce que, en fait, vas-y, termine. Et ces derniers temps, on n'en parle plus. Hein.
On n'en parle plus. Il y a des joueurs qui ont sacrifié même Mounanaïe, Azouachok, Yabeta. Il y a des joueurs qui donnent même leur parcelle, pas mormor, à spécifique parcelle pour que quand la saison a ça la carrière, mais ça la carrière peut pour étouffer les autres. Ils sont là. Il y a un football, la vie ça passe pour que les hommes de la société là en aient. Merci beaucoup, Kevin. Merci beaucoup, Maï. Merci, Benoît. Merci beaucoup. Ouais. Waka a confirmé la Naïmana. Waka a confirmé la Naïmana. Waka a confirmé la Naïmana. Ma mété ma sasse, on a l'air de ma mété ma sasse, n'a pas le nia maloura babetile. Nicolas Babet. Je vais écouter la mode à Betty Bale, Mediateur, la mode écoute à Zamoa, à Betta Bale, ma casse, la mode, la talle fita, match à fita, la dauphin noir, Wangoana, Wangombabouan. Au moment de la zone, ça canne à mi non sur vita. Mediateur avec la balle bongo. Mikamise, malonga, Mikamise, à Tobetta, Ezati. Pour la ligne, Aza joué à Innocent qui bondoule, il faut à la canne équipe nationale. Pose pour ma football congolais, pour quitter sa football congolais. Ou ton nom, il faut que l'équipe nationale. Il y a une équipe nationale à Congo, résister Zaté. Zaté? Balé Wango, Babo, Azo, Beta, dans le championnat, ou à Beta, une saison passée. Mika Misha, comment est-ce dans l'équipe nationale? Mika Misha, comment est-ce dans la terre, Wango, on a vendu là-bas? On est sous football, on est combien il gère pour le football? Le football? Et combien il gère pour le football? Si on a dit que les gens ont été en train de se faire, ils ont été en train de se faire. Et ça, c'est pour le football. Nous sommes pour la NIM. On a pour la ZANA, dans le dernier, on a un membre influent de la fédération NIM, on a un dirigeant de football, on a commis un agent. Il y a un joueur. Allez, on a un joueur, on a un joueur, on a un club. Alphon va mettre en victime l'équipe nationale. Pour battre Kaba sur Bambon. Football est avancé la ligne. Diabolisation, Zaki Wata. Diabolisation, Zaki Katan. Il y a un analyste au sein de Bambon. Non, c'est bien la ligne. Analyste vient de venir à Salimazé. Il y a Wakani, d'accord, on a été. Mais Waka confirmé maintenant, d'accord, on a été. Mais analyste vient de venir à Salimazé. Et ça, c'est Bambon. Chagui. Oh, et ça, c'est comme ça. Et ça, bon. Oh, Mazembe actuel, j'ai senti Mazembe actuel. Je vois Nini Mazembe actuel. Oh, tout à la Mazembe, tu calmes l'Ovina Royal. J'ai senti Mazembe, j'étais à Nini, nous jouons à Nini. Mazembe, on a 4 ans, une équipe, voilà Mazembe. Ma cause à 5, 6, 7 joueurs. Yannini. Yannini, ma la compétition, ma tombe à Nini, fille de Totala. Mazembe, Boyoka. Je sens grave, grave, c'est Nini. Nazora Tala, ma audio. Mazembe, c'est que les Mazembe, oh, ma voix 7 joueurs à la Mazembe. Eh, quand tu as dit, bon, tout ça analyse, papa. Eh, mon ma diaboté. Ils ont un mot, on fait des raisons au bas. Que non, joueur, il y a. Est-ce que John Magata a l'équipe d'Aristide? Il faut qu'on a John Magata, il y a John Magata. Allez-y, à Kram. John Magata, allez-y, à Kram. Eh, Chagui. Allez-y, à Kram. Papa, quand on analyse, il y a mon Magiaboté. Il y a mon Magiaboté. Il y a mon équipe nationale, il y a mon Magiaboté. Oh, Magata, John Magata, allez-y, à Kram. Oh. En tout cas. Jerry, là, ça me dit la vérité, polele. Lomboto tiba lomboli l'équipe nationale A. Ba entraîneur ou bazagi l'équipe nationale A. Ba lobi lomboto a solo la kate. Ale isa kabango, ale isa kate. A libera kate, a zama boko makasi. Bozo yoka. Ti omoli lomboto a zolo walo a longwe l'équipe nationale A. A longwe ti l'équipe nationale A. Chane. Koze yango wana. Bino suba masa na ebo yi disaye. Ba lobi ke ale isa kate. Wala ba ta fédération. À solo la kate. Ouais, à solo la kate. Dale ba soka ba oso ba petit ba ngoba ko solo la ya solo la kate. Maboko makasa alo bia za maboko makaku. No. Vedani. Vedani. Ba dirigeant ou ya fekofa. Tambo ba iba ba mbongo, ba pesa ka lomboto ni. Ba dirigeant en Afrique, au FAB, entraîneur et autres, tant que ba fakola, ba pesa ka lomboto nini. Il faut ba solisa ka bango na combien na prime ya $5,000. Ba to ango juste passe na bango, et aussi la joue nini. Donc il faut jouer, ou a zana na ba difficulté, ou mino fobo bunda ke ba joueur en ba tonga, ta ba mapangu,
bani l'état peut suivre pour moi arrive à reconnaître à ne pas moi. Ne comment abenga ce qu'on a zo rappelé yo. Bah je me souper zarana zela tu qui peut comme na ba dette intérieure. Bah on va ici bah ça réussit. Bah le mot tu vas zora ba 5000. Bah on va ça là ba kou ya ba million. Bangindi déjà ma vue la rebelle. Pourquoi ba kubanda kaka ko suli sa ba pourquoi on peut pas se soulever contre genre ya ba pratique yo là. Hein? Jusqu'à quand il vous a la base sur les arabines, on t'a vu 5000, à nous, quoi, mais je risque. À tiki moi, baba, c'est à tiki ba, naza, la ba famille, la 5000, la fois, Pierre Bino, combi. Bonjour, camarades, mes oeufs, les canons, football congolais. Tant qu'on a roulé, awa, au moment, on a écrit, baroya, au lingi, batuti. Bonjour, Kabino Moro Siko, boye bisanga Siko. C'est quoi cette discipline? C'est plus du football? Oui, allô papa, nazo yo kayo. Ou bien elle soit parti à Wapi. Bien. Merci de Gonanga. Yo zana Maroc. Micho. Oh Micho. Bo panza pétition wana. Batouana Foba Longwa. Ba Fabrice Ngoma. Azanga na liste Leopard. Aroya pe mon na beti na EPT mais essentiel 5000 azo. En tout cas, merci Mingi de Konanga. Merci. Ouais, Bolas Namoni a zone en forme. Il est en forme. Je vous dis, solution moussou c'est zate na mboka wana, batouana ba dirija bino na football wana. Non seulement ils vous prennent de l'argent, sorina le bayango, ils vous enculent, et ensuite bazo kabola bino contre ma professionnel. Ils sont en train de vous manipuler na conscience na bino, et vous, vous êtes là en train de les soutenir. Azalara wana. Il y a un commentaire on a l'ingina. Merci. Merci de Gonangaï. Merci pour na. Ouais, na me gana ko checker sous sous pasteur mou kuna sura. Yeah. OK. Il y a un commentaire d'un collègue qui vient de m'écrire, il a dit un collectif de joueurs et parents doit être mis en place pour formuler une plainte en justice envers tous ces gens. Si la CAF et la FIFA cautionnent ces gens de la FECOFA, il faudra les inclure dans la plainte aussi. Wabi Bisso à Congolais Toreva a grandi. Et pourtant, les gens qui ont réussi dans ce monde, il est petit, mais ça il aura mounéni. Wabi na vie, quand tu vois que quelqu'un use d'un pouvoir qui est en train de te manipuler, il faut zongasima au réfléchir. Bah, Arménie n'y a aucun qui utilisé pour briser. Vous êtes à la conscience que cette fédération est en train de vous enculer, non seulement dans Molimo, mais dans physiquement paix. C'est quoi la génération future? Des enfants qui sont déjà détruits à cet âge-là, avec ces pratiques, avec des pratiques fétichistes. Natunaki Molina question au Pambaté. Est-ce que c'était seulement des sacrifices pour les trucs de sodomisation? Non, ils appellent Maramama qui l'a. Donc, vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal que vous ayez un frère à la maison? Mais il faut arrêter ces gens. Ils ont pratiquement raison normalité.
On ne peut pas. Moi, j'ai été sidéré. Nazaki surpris. Il y a au moins un commentaire tant que Marambo est bimé. Mais tout le monde va ah, elle a un Marambo, les gars, c'est normal. Tu trouves ça normal parce que quoi, il y a été. Parce que ceux qui sont là, qui n'ont pas été en gang, qui sont là, qui courage, on le voit Marambo en terre. Donc, la fédération, en complicité avec les, certains hommes politiques, détruisa mentalité à Congolais pour amener Moussika. Pour Congolais à croire que le fétiche est comme Maï Moussika. Bande ou langana ko sabino te. Qui si n'a pas les arrêté? Qui si n'a pas les arrêté? Ningele oba simba ba kisi, oana oba sal, ezaba bilongo na bango ba salaria ba protection na bango moko. Qui si rekomi sa ok, jamais un grand joueur. Jamais. Et ça, je peux vous l'assurer. Qui si rekomi sa yo grand, au grand jamais. Mais comme nous, c'est ça que j'étais en train de dire la fois passée, au Congo, nous devons investir sur l'humain. Au lieu d'investir dans Babilo ou Zangatina, bon investir sur les enfants, bon investir sur l'humain, bon au moins que façon à réfléchir et qu'on changer, et puis Barozala peut-être prêt pour la cause. Et ça, le cola, on appelle ça un exemple. Et ça, le cola, il y a au sommet de moi, PlayStation. Mais au laki, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Vous allez poser des infrastructures, vous allez faire un dialogue, tout ça. Mais ceux qui doivent utiliser ces trucs ne savent pas comment le faire. Donc on se retrouve avec une population qui est manipulée. La cervelle ici est koufa dans le cas là. Donc la pauvreté, le manque d'éducation, le manque de civisme. Parce que le civisme est contagé. Civisme. Le civisme, l'éthique, la morale est koufa. Donc, Ronaldo a opé ça. Parce que dans la tête, il n'y a plus rien. Et comme Izelo, au lieu d'investir dans des bêtises, les hommes politiques, ils ont un message. Vous êtes responsable de ce qui est en train de se passer. Et ça, Tobo était fait, Kofa. Tobo était. Mais quand des enfants sont manipulés comme ça, on revient à un problème social. C'est un phénomène social. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui souffrent et qui n'ont pas le choix. Natunaki Romain Molina question au Pambati. Natunaki, est-ce qu'il y a des similitudes dans la procédure pour nous comprendre ce que Zakara problème moko ya ya posa ya nzoto ou bien Zali parce que bazoluka la recherche de babima na pauvreté. Vous voyez? Donc mutusoka za na pauvreté ana choité. Il est facilement manipulable. Donc baroya ba oyebisa que non ndenge za wana pozwa il faut ça la boue. Mais bango bana wana ataba pesa ba onu sa ba pesa ba kenda wapi, ils ne se sont retrouvés nulle part. Yango no mona tant on sélectionne au salima ba ko sala nyonso ba joueur na bango bazala représenter na kati ba ko luka ba journaliste ba sala ba campagne pour na ba joueur wana ba ko sala ba campagne pour na ba misusu ba yate nyonso wana potango ba ko sélectionner mwana wana yake no yebisa mwana moni ndenge na beta ki on a fait la jour wana moni skonde ba zuyo, c'est du n'importe quoi. C'est un problème sociétal, Abraham David. Donc, quand la société est affaiblie, la porte est ouverte à tout genre d'aliénation. Discours, nous sommes Moutaroya, Nangwaro, Ebisa, Okondima. Les hommes politiques, excusez-moi de vous le dire, tous ont mélangé, nous sommes. Mais on ne peut pas parler de sport simplement sans associer le problème social, environnemental, économique et politique. Tout va ensemble. Tout va ensemble. La pauvreté dans un pays ramène des. Oui, balé na kala. J'ai vraiment eu la chance, hein. En tout cas, dans Koumissinzam, j'ai vraiment eu la chance de grandir dans la période rose de la RDC. Il y avait des professeurs blancs, on avait tout. C'était le paradis. Moi, j'ai bénéficié de l'éducation congolaise. Je suis fier de la côte à l'université de Porto Awa. Je suis mathématique na beta ya haut niveau. Bakamo ba niveau ya intelligence na zalaki nango. Et puis na banawe savant que j'ai étudié au Congo. Et puis quand je vois les gens, quand moi je viens dire ici que nos journalistes sont incompétents. Comment se fait-il chez yango? Après bokamo que Charles Mbouya comme grand journaliste. Boni misanga na zo mélanger moi moke makamo. J'ai un peu la rage. Comment se fait-il que mupayande aya obimisa ba kopo? Bino mo ba journaliste boko vanda te bo bimisi pe mo kop mo pe ba ni bo solo ni na ba ta ba droit de l'homme ba ni
Il faut sortir de votre cocon, sortez de votre zone de confort. Bozo c'est la carte d'accréditation. Bozo c'est la carte non, ah ministre au Kenya Maroc comme ça toi qui ne te mate en avion. Vous gagnez quoi dans ça? Vous gagnez rien. Vous ne gagnez rien, aucun agenda, vos carnets d'adresse pauvres. Moussa na vinoka boza wana ka pona ko sala songi pour jouer le coba en équipe nationale, ba jouer on a pas ni pour appeler ça au moins 100%, tout ça, vous êtes minable. Excusez-moi de vous le dire. Na kata Congo wana sur 90% ya ba 100% ya ba journalistes, na ko zata ka musa 10%. Baza mukie o baza maeli. Ba mukie o baza pe honnête. Vous détruisez la nation dont comme na kata mboka moko où le chaos est tellement généralisé que personne ne fait un effort de sortir de ces bêtises. Na longo li ba patient ligodi, na longo li ba journaliste au bazar, au moins appelé que non mutu ezo sala. Le reste c'est de la foutaise. Comment se fait-il que non mundele nda ya kobimisa ba makambo? Et puis pour na bo relier, il fallait bo zela na ministre à répondre pour bo zaba kamami, vous faites pitié. Vous faites pitié. Et ça, je suis en Congo. Après, je suis en Congo. Je suis en Congo. Je suis en Congo. Je suis en Congo. Ayez le courage. Chassez ces gens. Obtenez votre liberté. Prenez votre liberté en main. Arrêtez d'être conduits comme des ânes, des mules. Vous n'avez pas marre d'être conduits comme des mules. Hein? À un certain moment, nous, on va se. Moi, je me suis révolté il y a des années. J'ai compris le système. Mais quand on vient dénoncer ces choses ici, au moins, on a montré un commentaire. Ah, yozalaka na négativité. Mon frère, c'est la réalité. Il y a des choses que vous ne voyez pas. Nasali analyse Yamazembe. Nasali analyse Yamazembe, DSMP, Namani, Lupopo. Nalobi Mazembe, en tout cas, balé wana yangote. Mais il faut mon commentaire. Oh, au salut, vite à te pour la ligne. Yo, quand ici, nous sommes à la ligne. Voilà le langage de la bassesse, de la suffisance. Donc, bon, réfléchissez à ce que nos photos sont la meilleure. La suffisance, c'est ça le problème du Congolais. Donc, si vous avez un PC, vous donc, ah, nous avons un PC, c'est bon, c'est censé avoir un PC. Vous avez un PC. Quand une équipe joue un certain système, le Mazembe d'avant, Azala Kobeta un système hélicoptère, parce que Bazala qui n'a pas joué, Oyo Bazala Kobeta Yango. Les noms Mazemba Zobeta hélicoptère système on a été parce que Bazan a joueur, mais parce que Bazan a choisi. Les dégagements sur le terrain, mon écoute de Tina Koutena Bim, c'est ma vidéo, dans ça, l'analyse tactique. Les dégagements où ils ont quitté le terrain, ils ont quitté parce qu'ils ont planifié, mais parce que c'était un système préférentiel, mais c'était un dégagement parce qu'il n'y a pas de solution. On vous dit que quelqu'un doit apprendre. Pourquoi Botoango insulte? Mia, il doit apprendre. Vous aurez un grand coach, vous aurez un président. C'est une insulte au football. Ouais, mais que moi, la vérité, moi, je n'ai peur de personne. Nasi na message na ma finga, bat ma finga, les gens m'insultent. Je m'en fous complètement. Mais moi, je vise le bien du football congolais. Les mêmes entraîneurs qui reviennent, les mêmes entraîneurs. Et puis, bah, ça, la carte, système Morgan, Ali Kopa. Au moins, notre équipe Mobima nationale, et Zalakana. Cinq entraîneurs. Et puis, bah, cinq entraîneurs, on a basé dans le club na Bango. Mais bah, on a eu un club, on a été fou, on a eu un léopard. Ce n'est pas normal. C'est une normalité. Si on a eu un club, on a eu un entraîneur, c'est suffisant. Tout le monde a dit que pour avoir un travail tactique, ça suffit. Pourquoi il faut que le collège soit un entraîneur? Aucune équipe à Chan, quatre entraîneurs. Aucune U23. Quatre entraîneurs, Bozu Eric Tshibasu, Bozu Kimoto, Bozu Eric Tshibasu a sa vision sur le football. Kimoto a sa vision sur le football. Et Gibouka a sa vision parce que Bozu ça ne va pas produire ni. Le football c'est pas comme ça. C'est pas comme ça le football. Ça n'a rien à voir avec le football. Donc Bozu ben nga bango après pour na boebi que non anenga la chewana donc ça va coûter le 5000, yo pe ça 1000. Ah OK ça va. OK. Des gens qui ne visent pas loin quoi. Oui, et ça la passe hein. Tant on a pena muta au boulet pena donc il y a objectif na ye. Ils attendent que akoba grand un jour. Mais objectif na ils arrivent non ah nga essentiel nga non tout attendre moi $100 mo boto kinde kin colère. Et comment vous pouvez rêver grand avec des gens pareils?
bamataku wana bango bazo beta bino wana na sima wana. Mais c'est pour préserver leur poste. C'est pas que bino nde boko bénéficier nango, bango nde bazo bénéficier na ba chance na bino. Poto lingo kota ma spiritualité te. Na spiritualité, le derrière ça fait partie des portes spirituelles. Ozana moutou, ozana crâne, ozana na nombril, ozana sexe, ozana na partie sima, tout ça, les doigts, la paume des mains, c'est des portes spirituelles qu'on ne donne pas à n'importe qui. Mbota pambo pesa la rale, il faut pas blaguer avec les choses spirituelles. Tant que yozo pesa sima na bango ne bazo za chance na yo. Bango ne mutu bazo za chance na yo. C'est eux qui sont en train de tirer de l'énergie à travers les portes spirituelles. Bazu code na ya vie na yo mobimba. O comme esclave na bango. Et puis tu ogosai la vie na yo mobimba, ozana chance te na vie. Bota la ba joueur congolais de bazu kufa pauvre. Ba beta na ba poto, ba beta partout, mais tellement ils étaient dans ce genre de maison, mais bota la ba vie na bango ndenge bazali. Et zote ya binote. Quand est-ce que nous allons nous révolter, prendre conscience? En tout cas, analyse tactique, prise de conscience. Bisika bino sobozali. Tout le monde est éveillé, peuple. Attends, au niveau sport. Est-ce que vraiment, ngai na koya na stade, na hotel, na mutu, abeti déjà na fil. Na koya soutien. Na yon sani. Vous m'écoutez, na tika na hotel, ape marama bal. Le milieu du football, il est comme pourri. Monde Mobimba O est comme pourri. Les gens se battent pour des futilités. Ce sont au niveau de la musique, c'est de la merde. La musique congolaise n'a pas le soutien. Des débats inutiles. Et comme et continue à théâtre, et continue à comédie. Na niveau nios, na Congo, c'est et comme copé ça va tout passe. Toujours qu'un de wapi. Alors il y a un problème au niveau de l'humain. La société congolaise a un sérieux problème bandeko na nga na sale analyse ya batuna na kofana na nga niebo na zo observer na sale analyse moi tant mouke to sala ki global sport comme na niveau akin marambo nga na moni pe na comprendre na vain na comprendre kinois na comprendre kinois na niveau mongo mutaebi te nga mongo na ebi. Nous sommes paresseux, nous n'avons aucune vision du lendemain. Aucun sens de créativité. Ba valeur haute, biso to kola na ngo na Congo wana. Ba seria ba. Ah non, c'est pas possible. Ce Congo, ce pays est descendu trop bas. En tout cas, merci mingi pour la présence na bino. Bandeko nyonso, en tout cas, bisika bozali. Soki bandeko mususu bazali o bazana ba témoignage. Na meko benga sou pasteur mukuna mena monya ya mbite, fais ala agi empêchement. Atike nga maloba. C'est nga maloba. Ah, mais c'est trop tard. Nga na koti ka sauté erreur. Ils ont vraiment passé na football congolais vraiment ya makasi. Ah, ndegoyo ya bengi atiki ma atiki audio na ye. Ba joueur ngo wana mususu ba sala ba acte wana. Yeah. Ba zo boma ba carrière na bonka pour rien ba mongo. So moni ba joueur mususu ba professionnel wana ba bita na ba équipe a wana. Position ils atteignent des mutu moi milliers le nez que tu aussi madame bon mot na vie n'est-ce pas ni mal et à qui si à vous ouvrir sa vie donc aujourd'hui à qui si pendant tant mois pour réunion au cas au candidat baninga au premier baninga va évoluer yobita après l'obin en vie en malheureux donc et l'eau comme à longue ils atteignent ça vraiment pas si n'importe quoi donc il faut vraiment que vous fassiez quoi vraiment 100% ça passe vraiment donc tout ça passe si football en vraiment oui, bien, quelque part, Malobara, ce qui est au monument B et qui est au Vendénien, le silence, il est complice. Oui, un jour, aujourd'hui, la jeunesse d'aujourd'hui, elle se croit
voilà, en plein possession de ses moyens, elle se sent libérée, elle parle, elle s'amuse. Mais Boroko Manaba, 50, 60 ans, tant que ça, parce qu'au bilan, il y a vie, na yo, au talabana, na yo, au comprendre que, bah, erreur, ma kambo, tu zara ko loba, bah, erreur, oyo, ba, no, bazo, ça, là, soko, yebaka, mais peut-être, on a une attitude, moussous. Bolingate, ça, là, un jour trop tard, bobana, ko zara, ba, décision, na ba, vie, na bino. La vie du Congolais dépend de lui-même. Moutako Sabinote, levez-vous. Bokotika futur inabino, futur yaba inabino, ezala prise en otage na batumoro bo ou bazakutu na valeur obino bo nangote. Le Congolais, il est intelligent, il est beau, il sait danser, il a de l'argent, azana ba minerai, azana ba mbongo belé. Mais pourquoi te communariser de tout un continent? Tout en a valeur, tiens. La fécofa a sa valeur mon côté. Hein? Tout nzamba pesibiso nyonso. A pesibiso ba bogar, a pesibiso ba musicien. Oui, mais musique c'est quelque chose de très important dans l'humain, dans la vie de quelqu'un. Mais nzamba pesango na Congo. Toye ba ko valoriser en otelelo ba nigérien bazo s'en sortir la musique. Mais nous on est derrière un gars. To biso nyonso. To zaka na sima ya mutu moko. Vipasi. Hein? Réveillez-vous, les gars. Bah, on a besoin de pétition. Bon, partagez la bande de Koumoussou. Nous devons faire sortir ces gens. Moi, ça m'étonne que Tile, on n'a pas si haut tout le monde dans le football congolais. On n'a pas encore réussi à réunir 2000 signatures. C'est pas normal. Donc, tout le monde méritait de diriger un abyss. Donc, on est content des personnes. Au moins, à peine en décembre, on peut voter. Bah, ah, bandego nanga. Nga nazara fier, hein. Nazara fier né na botama na Congo. Na tanga na tene de la gare. Na tanga na collège Likia. Na tanga na limité. Na sil na kota na UPC, na tanga na UPC. Na long na Betibale na Congo, na Betibale Makolongulu, na Betibale na Saint-Charles, na Betibale na Saint-Paul, na Betibale na Institut supérieur, na vélodrome, na stade, Nazara fier d'avoir vécu ma vie au Congo. Mais Congo, on a comme Royoka Lelo, parce que ça fait au moins 25 ans dans le mois. Congo, on a Royoka Lelo, et ça, Congo, on a Tikate. Il y avait des valeurs, il y avait des personnes qui réfléchissaient. Congo, on a jeunesse au Yamote. Non. Vous me faites mal. Quand je lis les commentaires, bah tu peux pas dire au cancine on sale analyse en français pour une laxinine. Mais comment tu peux réfléchir comme ça? Comment mutako réfléchir bongo? Donc on a un moment dans le forum, il y a page française tout ça. Au moins on peut niveau débat dans bongo, mais c'est quand même un niveau élevé. Pourquoi mutso ka sale analyse en français? Ndazo se sentir supérieur nayo. Au candidat, on s'en livre analyse en français dans l'équipe. Mais je ne comprends pas. Il y a un problème. Il y a un problème. Merci, Mingi Bandegonanga, pour la présence d'Abino. Franchement, j'étais très touché pour la présence d'Abino. Quand on est dans le lobby, Bandeko Bazan a un témoignage. Bolandi, il faut que les joueurs, les anciens joueurs, les rêveurs, ceux qui héritent à Ilunga Lobité, Paul José Mpoko à Lobité, les restes on a zélo, plage dans plage. Pasteur Mukuna, en tout cas, on se la semaine prochaine. Parce que le programme de Salaginaye et Zakinaye est à 19h. Mais il y a un peu sa priorité dans Molina. Il y a un peu de temps dans le 40. Il y a 30 minutes dans Molina, dans le milieu, comme ça, dans le mais ce que on a bengi à Yambi, mais à Kati, na yoki ngrimo makele, on ne veut pas aller dans le programme. Donc, je crois qu'on va faire ça la semaine prochaine. Merci beaucoup pour votre présence. En tout cas, bandegonyo sur bazana ba message, bazana ba requête, ba nini, bo contacter ngana numéro nanga ya WhatsApp, ba wo bazana ba demande, bazana ba nini tout ça, bo contacter ngai. Qu'est-ce que je voulais dire encore pour na bo sanate? Nael kamubu nangana loba na bosanati.
Ah bon, c'est pas grave. Egoya peut-être Mbalasima. Egoya peut-être Mbalasima. Bandego nyonso oyo balandi biso lelo continuer à faire le travail. Toujours à la paix groupe à deux personnes, trois personnes, quatre personnes. Mais ceux qui m'ont créé, la mission peut m'aider, la mission de tchè, pour qu'il y ait des en tout cas, les choses vont marcher. Hein? Merci à toi, Benoît Florsengo, Thomas Chikos Swemi, merci. Bandego mousou soutan ba tin la ba commentaire na mona ka ba komboti neti muta komi père moukou na déjà l'équipe ou comment ils ont comme la ka Facebook user donc ce ko koti na ni na tcha commenter faut tcha kombo ce ko tcha komboti na mona te na mona komboti Abraham David merci Trésor Martin Gustave Yombo voilà Jackel Diaz merci pour ta présence merci pour la partage à lien et à pétition Abraham David Amar Makika, merci. Micha Pongola, merci Mingi pour la présence Nayo. Voilà. Dakis Moulungé, Dakis Kongo, ouais. Et puis tous mes amis de Léopard Foot. Demain, j'aurai peut-être un space tuteur par rapport au stage. Par rapport au stage, il y a. Net stage au Batiwan. Batalina Foot. Vous voyez déjà que Léopard. Il y a Chan et Gokende stage du 10 au 23. Comment beaucoup qui ne planifier sous un match dans la période? Parce que Marambouyanini, il y a stage et il y a avant élaboration, il y a stage. Mais tant que vous avez le calendrier, vous tenez quand même compte que, ah, équipe pour Gokende stage. Ah, ok, bon, tout ça va match cette période. Non, vous avez le match. Comment vous retenir tes comptes, tes non? Comment vous voyez quitter que le concert a fallu les aller? Ben, c'est ça qui est bien. Donc, ça prouve de l'incompétence. C'est ça. Tant que vous avez le bas, vous avez mis mon banane. C'est ça. Des choses, des petites choses, mais qui disent grand sur vous, sur l'état d'esprit à travailler au salle. Hein? Vous changez le calendrier pour un concert a fallu. Donc, vous mélangez les choses. Si tu as rendu le calendrier à un pays, tout le monde a la Champions League, il y a déjà que non, date FIFA, des semaines, des semaines, Champions League, des semaines, des semaines, Coupe de France, des semaines. Mais l'engi, si tu as la Tanzanie, on a le système de la championnat. En Angola, depuis la Kenda, dans le cas, dans le Tika, on a fait aller-retour. Et puis, il y a un problème, il y a un avion. Un ministre a sali ba bêtise azanega wana tout a mboka ngoma to kende wapi hein to kende wapi en tout cas merci et bonne soirée nazui ba nini comme nanga lo ba yango nazui ba tech e bele na page le nazui plus de 20 plaintes na ebite na nazo sala nga mwana donc bazo se plaindre na page donc bochata ba j'aime na bino bochata ba j'aime bochata ba ba cœur ba nini ba oyo baza na posa ya contribuer na Facebook bo mona place mo ba cha star na peut-être na Congo est un peu difficile pour système monétaire ni ya banquier ça peut-être difficile mais ba ndeko baza na poto eza na ngota msundo na 9 centimes so ki boza 100 et ki bochi na 9 centimes nga na ko récupérer pe 100 euros awa le mi na ki na fouti ba programme ba software ba analyse ba nini tout ça pour na ko sunga pe moi monter mon salaire toujours sale hein donc voilà un peu qu'on se rappelle bandeko penamboka tout ça donc j'espère que nous y arriverons un jour malin malin mais les lobbies bat charabiso katé mais tant que ce maloba topé sera awa mutu nous sommes bénéficiés à quel salaire nous on paye le commissus. Tous à la d'accord, nous mutu nyonso au hasard en abysso combat, moko lutte moko. Ce qu'on a tantôt plus tôt, n'a pas tabat tantôt plus tôt en azala en abango penate. Ils en abattent moussou tous en abango, mais c'est comme maramaro lobela, au monde abatani. Balache. On comprend? Monsieur toi affronter en abysso. Nazarabatak spirituel, physique, tout. Mais nous en met toujours. N'a la moine à yes. N'a un commentaire, mon battement va comme l'en abîme. Pourquoi ta marambo, tes amarambo spirituel, tout ça? Eh, Jésus-Christ de Nazareth, toi, Zala Katinanga, Ama Kasko le Kabando, Kinyon, Swana Bakangami, na Fekofan. Baro Sangalata, 1100 effets.
Alors, la victoire est certaine. Bandeko nanga, continuons la lutte et nous y arriverons. Pour la bandeko batuna pour la générique oyo, bah on a besoin son ango batine nanga message na otine la bango. Voilà, c'était un plaisir, merci beaucoup. Bonsoir Joshua, na monique mutuma tchenga commentaire. Je suis venu en retard, l'aspect tactique n'a pas été traité aujourd'hui. Toutes mes excuses. Ah, aujourd'hui, on n'a pas parlé tactique. J'ai reçu M. Romain Molina. Tu pourras toujours regarder l'émission en différé. Voilà. Trésor Martin Mwandulo, Ariel Mouye, je suis là. OK, voilà. Au revoir et un bon week-end à tous. On se revoit le samedi prochain. Merci.